Bonjour les amis, bonjour les chers chroniqueurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère que vous passez un bon week-end et nous allons passer ensemble, j'en suis convaincu, un excellent moment. Alors je vais vous laisser quelques minutes, le temps de vous connecter pour les petits retardataires, le temps de partager cette vidéo, le temps de vous installer. Je vous donne quelques minutes, on va faire ça en musique. Nicky Larson, Otep, 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 les chanteurs du monde entier, Otep, les chanteurs du chat live, Otep, Chango, Otep, notre invité, Otep, mon cher Nicky Larson, sois le bienvenu. Je te laisse, toi aussi t'installer tranquillement, n'hésite pas à partager autour de toi, de liker si ce n'est pas déjà fait. On va laisser quelques instants, petit retardataire. J'espère que vous avez partagé autour de vous ce live, que nous soyons nombreux à le suivre. Caro, maman reine du Congo, beauté à toi aussi, sois la bienvenue. Installe-toi, n'hésite pas à partager autour de toi ce live, sois la bienvenue, on va passer ensemble un excellent moment. N'hésitez pas, manifestez-vous ceux qui sont là, ceux qui regardent. Je vous salue tous autant que vous êtes. Soyez tous les bienvenus. Installez-vous confortablement. Et je vous salue tous autant que vous êtes, où que vous vous trouvez, bien évidemment. Alors, qui est dans la place? N'hésitez pas à manifester-vous. Je vois que nous sommes déjà pratiquement une dizaine à regarder. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Venez, 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 installez-vous. Pas faux. Alors les amis, mes chers chroniqueurs, alors on va pas tarder à commencer, mais avant, j'aimerais quand même faire un petit message personnel. Un message personnel. Parce que ça fait maintenant un peu plus d'un an, à peine un an que cette chaîne a été créée, et la chaîne n'arrête pas de grandir. Et ça, c'est grâce à vous, puisqu'il semblerait que le contenu vous intéresse, vous plaît, et vous êtes de plus en plus nombreux, me dit-on, à vous abonner. Et vous savez, j'ai un but, un petit challenge que je me suis lancé, que j'aimerais atteindre, c'est ça. Oui, je vous rassure, ce n'est pas une fixation, mais j'aimerais, mais alors vraiment, vraiment, vraiment atteindre les 5000 abonnés d'ici la fin de ce mois-ci, qui est presque fini, mais ce n'est pas impossible. Hein, on est à 4500 et quelque chose, je n'ai pas compté exactement. Donc pour ça, il suffit de vous abonner, faire parler de cette chaîne autour de vous et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je salue aussi, je vois qu'il y vient d'arriver, Guadanine, Otep, mon cher ami, sois le bienvenu, installe-toi confortablement. Donc le message personnel est le suivant, donc je suis très content de voir que cette chaîne vous intéresse, elle grandit, et c'est tant mieux, donc je tenais aussi à vous remercier pour l'intérêt que vous y portez. Et puis j'aimerais aussi quand même vous dire à quel point je suis très content que tous les invités qui sont venus partager du moment l'effet, accepter l'invitation, je dirais même plus, je suis même très fier
qu'ils aient accepté de participer à ces différentes émissions, parce qu'ils ne sont pas obligés, et d'une, le temps est précieux pour tout le monde. Ce sont des gens qui ont des professions respectives, qui travaillent énormément, des gens, pour certains d'entre eux, qui font des conférences à travers le monde, qui interviennent sur des différents plateaux de télévision et de radio, et ils ne sont pas obligés de venir sur une chaîne YouTube où il y a quoi, 4 000 abonnés à peine. Et pourtant, ils ont tous répondu présent à l'appel et je les remercie tous autant qu'ils sont. Un jour, je ferai une petite spéciale pour eux où je les nommerai tous parce que vraiment, c'est très important de remercier tous les gens qui participent au combat idéologique qui est le nôtre. Donc, à tous les invités, passés, présents et à venir, je vous remercie très, très, très profondément. Merci à tous. Alors, on va donner... tiens, il y a encore... Fundumbongo. Beauté, beauté, beauté. Bonjour, sois le bienvenu. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, mon cher ami. J'espère que tu te portes bien. Alors, les amis, maintenant que vous êtes là, que vous vous manifestez, n'hésitez pas, encore une fois, hein, à partager autour de vous, de liker, de vous abonner. Il est important pour l'algorithme de YouTube. Alors, si vous êtes prêts, mais ma foi, les amis, je vous propose que nous commencions tout de suite. Hein, si je vois que vous êtes... installé, vous êtes bien. Donc, je crois qu'il serait temps d'aller commencer. Qu'en dites-vous? Vous êtes prêts? Vous êtes chaud? Vous avez envie d'y aller? Alors, c'est parti. Let's get ready to rumble! Alors, les amis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier, très peu abordé, j'en ai peur, la santé mentale. Mais avant, à votre avis, c'est quoi être noir? C'est quoi être un noir quand on vit en Occident? Eh bien, quand vous êtes une famille, par exemple afro-américaine, vous faites un barbecue dans un jardin public, vous avez quelqu'un qui appelle la police pour vous parce qu'elle estime que vous n'avez pas été là, c'est interdit. Il y a une expression, on appelle ces gens-là des Karen, parce que très souvent, les gens qui appellent, c'est une femme blanche, une emmerdeuse, n'ayons pas peur des mots, très souvent prénommée Karen, virgule, raciste aussi, sur les bords. Et donc, c'est devenu une expression aux États-Unis, une Karen, c'est sous-entendu, un ou une emmerdeuse, et un peu avec des relents racistes. Hein, bon. C'est ça, être noir aux États-Unis. Vous êtes adolescent, vous êtes pressé pour aller à l'école, vous êtes en retard, vous traversez la rue en dehors du passage protégé, et le policier veut vous mettre les menottes et vous embarquer. Vous résistez, vous dites, mais attendez, on ne va pas me mettre en prison pour ça, et le policier vous tabasse. Et puis ça passe aux informations, les gens, oh, mon Dieu, mais comment, alors que la loi le permet. C'est le 13e amendement. Bref. Vous êtes un noir afro-américain, vous emménagez chez vous, on appelle la police sur vous parce qu'on vous suspecte d'être un cambrioleur, alors que vous êtes en train d'emménager. Et les policiers arrivent en force armée, comme si c'était la fin du monde, qui vous pointent une arme sur votre figure, et vous dit qu'est-ce que vous faites? Mais j'emménage, qu'est-ce qui se passe? Être noir, c'est vous êtes dans un Starbucks, je vais nommer la boutique, et vous êtes en train d'attendre quelqu'un parce que vous avez une rencontre de business et un employé zélé appelle la police parce que vous êtes suspect. Et la police, au lieu d'essayer de comprendre ce qui se passe, la police embarque les deux messieurs au moment même où leur rendez-vous arrive en leur disant « Mais j'ai rendez-vous avec ces messieurs, pourquoi vous les embarquez ?» Ils sont suspects. On les embarque, on les maintient en garde à vue plusieurs heures, ensuite on les relâche. Et je peux continuer toute la journée à faire ce que je suis en train de faire. Je ne vous parle pas non plus des cheveux, on vous dit aussi vous n'avez pas à vous coiffer de telle ou telle manière. On avait abordé ce sujet avec Sibentoum, que je salue. Vous allez me dire, oui, mais ça, Frango, bon, ça c'est aux États-Unis. C'est partout. Que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, centrale, même aux Antilles, vous avez un célèbre lycée en Martinique qui interdit certaines coupes de cheveux typiquement africaines. Par exemple, si vous êtes coiffé comme moi, le lycée va vous dire non, vous changez ça. Très connu, hein, un lycée qui a fait beaucoup parler de lui, et pas combien. Quant à l'Europe, c'est pas mieux. Alors vous allez me dire, oui, mais chez nous, c'est en Afrique, c'est pas ça. Si. En Afrique, c'est pareil. Vous avez, par exemple, dans des restaurants chinois, vous voulez goûter un restaurant chinois, et l'employé du restaurant vous dit, on ne veut pas d'étrangers chez nous, en Afrique. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes un employé d'un entrepreneur chinois, et il s'octroie le droit de vous tabasser s'il estime que vous ne travaillez pas assez bien. Vous voyez, en fait, tout ce que je suis en train de vous décrire, ce sont des agressions
qu'elle soit physique ou mentale, voilà ce qu'on subit régulièrement. Et je n'ai même pas parlé de 10 siècles d'esclavage arabo-musulman, de plus de 4 siècles d'esclavage occidental, européen. Je n'ai même pas parlé de ça. Donc, vous voyez un peu toutes ces agressions qu'on subit au quotidien. Donc, ça laisse forcément, à un moment donné, des traces là-dedans. Et comment on réagit à ça? Comment on fait? On a le droit d'avoir mal, nous sommes des humains, nous sommes des bantous. On a le droit de poser un genou à terre, on a le droit de souffrir. C'est humain. Allez, mais si on exclut ces agressions qui existent, hein, qui sont quotidiennes, nous traversons parfois des moments difficiles dans notre vie privée. Des relations difficiles au travail. On subit par exemple un divorce, une séparation compliquée, ou simplement un profond mal-être. Comment on fait pour prévenir l'inéluctable? Vous savez, ce mal-être, souvent, comment on réagit très souvent? Je suis sûr que vous avez quelques expériences personnelles autour de vous. On ne se sent pas bien, on dit « mais c'est pas grave, ça va passer ». Et puis ce mal-être, tranquillement, sournoisement, s'installe comme une tumeur, sans faire de bruit, calmement. Et puis cette tumeur prend place, est confortable, et elle grandit. Encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que, parfois, l'inéluctable, malheureusement, arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour prévenir tout ça? On va tenter de répondre à cette question avec notre invité. Parce que oui, on a le droit d'avoir mal, on a le droit de souffrir, mais nous sommes résistants et résilients, 15 siècles d'oppression, en continu, et ça continue, nous sommes toujours là. C'est qu'il existe donc des solutions. Et je suis certain qu'avec notre invité, on va pouvoir discuter de ces solutions possibles. Parce que, après tout, vous avez tous vu ou peut-être entendu parler de quelqu'un que vous connaissez, qui rigole avec vous, qui va au cinéma avec vous, bref, qui a une vie sociale épanouie. Mais au fond, à l'intérieur, c'est un immense appel au secours qui ne peut pas sortir. On va essayer de comprendre pourquoi. J'ai moi-même mon opinion personnelle, mais ce n'est pas mon opinion qui compte. La personne n'ose pas parler, on se dit « c'est pas grave ». Après tout, je suis en bonne santé, je mange bien, je dors bien, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai un bon job, c'est pas grave, ça passera. Et puis, on a parfois un peu peur du regard des autres. Oh, de quoi tu te plains? Franchement, est-ce que tu crois vraiment que ça vaut la peine de se plaindre pour si peu? On est gêné par le regard des autres. Et puis, dire que ça ne va pas, souvent dans l'imaginaire collectif, c'est une preuve de faiblesse. Et qui aime montrer sa faiblesse? Personne. Alors avec notre invité, on va tenter de déconstruire tout ça, parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et peut-être au final, plus simple qu'on veut bien le croire. Et en deuxième partie d'émission, vous le savez, n'hésitez pas, vous allez pouvoir intervenir en live, poser vos questions, partager vos expériences avec notre invité. Les amis, je vous propose de vous installer confortablement. Nous allons donc, vous l'avez compris, parler de santé mentale avec notre invité. Installez-vous, notre émission commence donc maintenant. Et on accueille sans plus tarder notre invitée, Laura Laventure. Bonsoir, Laura. Bonsoir, Chango. Je suis ravie d'être là. Et le plaisir est partagé. Merci d'être parmi nous. Alors, rapidement, une petite présentation quand même. Laura, donc, tu es psychologue de formation et de métier depuis plusieurs années. Tu as ton propre cabinet à Paris. Alors, les amis, je vous invite à rendre visite à Laura de la part de Chango, pardon, si besoin. Elle se fera un plaisir inégalé pour vous recevoir. D'ailleurs, regardez, je vais afficher ici, vous verrez apparaître à l'écran son site internet. Ah, waouh! Elle a un site web dans lequel vous pouvez lui rendre visite, www.laura-laventure.com. N'hésitez pas à rendre visite à Laura, laura-laventure.com. Et en plus, Laura, tu es aussi disponible sur les réseaux sociaux. On te trouve aussi sur Facebook et Instagram. Alors les amis, là tout y est. Vous n'avez plus d'excuses. Si vous avez besoin de rendre visite à Laura, n'hésitez surtout pas. Alors Laura, ma toute première question, comment vas-tu? Eh ben, je vais très très bien.
Encore mieux, puisque je sais qu'on va parler d'un sujet extrêmement important pour notre communauté déjà, mais pour moi aussi, parce qu'en fait, c'est, disons que la santé mentale, c'est un sujet avec lequel, quand j'étais plus jeune, bien, ma famille n'était pas à l'aise. Et du coup, quand ils se sont retrouvés avec deux psychologues dans la famille, ils se sont dit, oula, waouh, il va falloir travailler un petit peu sur soi. Pourquoi je dis Alors, deux? Parce que ma grande sœur et moi, nous sommes psy. Oui. d'accord, ah ben ça, comme on dit en anglais, it runs in the family. Exactement. On va entrer dans le cœur du sujet, mais juste avant, je pose cette question toujours parce que je suis toujours intrigué et curieux de la personne derrière le professionnel et la professionnelle en ce qui nous concerne. J'ai envie de savoir un peu qu'est-ce qui t'a donné envie, peut-être la grande sœur qui t'a un peu influencé, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir psychologue? Quel était l'élément déclencheur? Alors, ben, pour revenir à ma grande sœur, non, je ne voulais absolument pas faire comme ma grande sœur, bon, même si je suis devenue psychologue, mais je n'ai absolument pas fait comme elle. Elle est gérontopsie et j'avoue, c'est une spécialité avec laquelle je ne suis pas à l'aise. Donc, si vous êtes en maison de retraite, ne venez pas me voir. J'ai une très bonne psychologue à vous conseiller. Non, mais plus sérieusement, ce qui m'a donné envie d'aller vers la psychologie, c'est le fait de pouvoir comprendre les pathologies mentales très graves. Au départ, je me suis intéressée d'abord aux pathologies extrêmement graves. Pour revenir à ma famille, j'ai une personne de ma famille qui est très très gravement malade. Puis j'ai ma grand-mère qui a eu la maladie d'Alzheimer. Je me disais, mais c'est bizarre, comment ça se fait déjà qu'on ne voit pas les choses venir, qu'on ne les comprenne pas. Dans nos communautés, beaucoup de maladies arrivent comme ça, presque comme des malheurs, comme des sorts qui sont tombés sur nous, alors qu'en fait, il y a des signes précurseurs. Et je m'étais dit, mais tiens, si on était mieux renseigné, peut-être qu'on aurait pu voir certaines choses venir. Peut-être qu'on arriverait à mieux soigner ce parent qui est toujours là. Ma grand-mère est à son âme, elle n'est plus là. Mais donc cet autre parent est encore là et très difficile à tenir parce que justement la famille, jusqu'à présent, malgré tout, ne veut pas être renseignée. Mais je me disais, s'il y avait moyen d'informer avec le plus de largesse que possible notre communauté sur la santé mentale, peut-être qu'il y aurait des personnes bien, qui en profiteraient et seraient soignées pour autant. Mais je dirais que c'est la psychologie qui est venue à moi. J'avais beaucoup, beaucoup d'amis qui venaient se confier à moi et j'aimais beaucoup ça, écouter les gens juste pour voir ben, qu'en fait, ça leur faisait du bien. J'ai toujours eu envie d'être utile au monde de cette manière-là. Donc, ça fait vraiment partie de ma manière de contribuer à la beauté du monde. Au fur et à mesure, bien, je suis arrivée à la psychologie. Et puis, je me suis rendu compte, une fois que j'ai eu mon diplôme, bah, que ça m'allait pas de faire comme les autres, d'essayer d'aller dans un job et puis d'être au service de n'importe qui, comme ça, des personnes tout venantes. Je me suis rendu compte, et je le faisais déjà hein, pendant mon master. Mon mémoire de master s'appelait le traumatisme de l'esclave. Donc, je pense qu'il y avait déjà En ça qui matière. était là, en fait, qui me tenait. Sauf que, bien, une fois que j'ai eu mon diplôme, voilà, j'ai navigué comme ça. Je me disais, mais comment faire, en fait, pour être réellement psychologue de ma communauté? Parce qu'il y a énormément de psychologues. Il y en a 16 000 diplômés en France par jour. Je ne connais pas le chiffre pour le monde entier, donc je ne vais pas chercher. Mais 16 000 par jour, c'est énorme. Les autres communautés n'ont pas besoin de moi. Mais je me suis dit, tiens, si je peux contribuer à ma propre communauté, là, j'aurais gagné quelque chose. Là, j'aurais marqué une différence. Et donc, j'ai continué à me former, notamment en psychogénéalogie. Donc, c'est cette psychologie qui s'intéresse aux aïeux pour comprendre les influences qu'il y a maintenant. Et la psychogénéalogie m'a amené évidemment à notre histoire. Mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai découvert l'histoire, qui n'est qu'une part hein, de l'histoire, mais une part extrêmement violente, extrêmement, je dirais, marquante, même plus que ça, elle a marqué au fer. Et cette part d'histoire, d'ailleurs, que je n'ai pas découvert en Martinique, parce que je n'ai pas précisé, mais je suis africaine de la Martinique. Je n'ai pas découvert cette part d'histoire en Martinique, je l'ai découvert en France. En même temps, le racisme est un petit peu plus visible en France, donc ça m'a poussée à découvrir les choses. Et pourtant,
En Martinique, j'avais tout ce qu'il fallait pour découvrir les choses, mais bon, je reviendrai là-dessus, mais il y avait ce quelque chose, cette espèce de loi du silence qui vient empêcher ou en tout cas freiner la découverte de ce qu'il en est réellement. Mais c'est vraiment en France que j'ai découvert tout ça. Je me suis dit, mais tiens, comment ça se fait qu'on ait vécu tout ça et qu'on soit là? Qu'on soit toujours là et qu'on n'en parle pas? C'est vrai que c'est ce silence qui m'a beaucoup marqué. Je dirais qu'il a fait plus de dégâts qu'autre chose. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y a eu toute cette chose et on n'en parle même pas. Je me rappelle d'ailleurs, je pense que c'est grâce à Christiane Taubira, que j'avais eu 2 heures de cours sur l'esclavage. Elle s'est tellement battue pour ça, cette dame. OK. Mais 2 heures de cours sur l'esclavage. Franchement, c'est... Bon, on ne peut pas dire que ça soit substantiel. Effectivement, comme Presque s'il y rien. avait une volonté d'effacer la trace de l'esclavage. Bon, c'est comme ça que je Tout le à comprends fait. personnellement. Ouais. Ah oui, mais clairement. D'ailleurs, beaucoup de personnes, beaucoup de livres justifient cela comme une manière de permettre la cohabitation bienveillante, la cohabitation réussie entre les anciens maîtres et les anciens esclaves. Donc, pour une bonne cohabitation, ne disons rien, passons tous sous silence et c'est bon. Génial. Effectivement, ça me rappelle ce que tu viens de dire. Je paraphrase ce monsieur, Frantz Fanon, que chaque génération d'entre nous devra servir sa cause ou la trahir. Je Tout paraphrase à Frantz fait. Fanon. D'ailleurs, les amis, je vous invite vraiment à lire Frantz Fanon, surtout celui-là, Peau noire, masque blanc, parce que lui-même était psychiatre, hein, d'ailleurs, Frantz Fanon. Et malheureusement, ce qui est écrit dans ce livre, qui a été écrit, je crois, dans les années 50, ou fin des années 59, 50, voilà, fin des 1959. 1959, malheureusement, reste toujours d'actualité. Donc, les amis, je vous ai mis tous les liens pour vous procurer le livre de Frantz Fanon, qui est un classico-classique qu'il faut absolument avoir dans sa librairie. Peau noire, masque blanc. Alors, n'hésitez surtout pas, les amis, pendant qu'on discute avec notre invitée, à poser vos questions, hein, n'hésitez pas, elle est là pour ça aussi. Et puis, je lui rappelle, en deuxième partie d'émission, on va ouvrir la ligne. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous salue. S. Ah, Jacro. Otep, Otep. Kimpa Vita. Ah, Kimpa. Otep, Otep. Otep. Bonjour. Ah, tu dis qu'elle dit elle a des problèmes de connexion. Moi, je. Alors, les amis, parce que moi je vois et j'entends Laura parfaitement. Est-ce que parmi Moi vous, d'autres ont des aussi. problèmes de connexion? N'hésitez pas à nous en faire part. Si oui, c'est qu'il y a un problème quelque part. Sinon, le problème ne vient pas de vous. Parce J'avoue. que moi, je vois et j'entends Nina parfaitement. Moi aussi, je te vois très bien. Et je vérifie la connexion, c'est bon. Ok, parfait. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet, mais j'ai encore une autre question. Je ne l'ai pas avec moi, enfin, il est rangé dans ma bibliothèque derrière. Mais j'ai lu récemment un livre, j'ai fait même une émission avec l'auteur. Le livre s'appelle Francotomie. Et C'est je un sais que très ce bon livre. livre te parle, et je salue l'auteur, Jaï Muntuka, si tu nous regardes, je te salue, mon cher ami. Et évidemment, j'ai lu le livre de Jay, c'est pour ça qu'il est venu dans l'émission, une préface de Hamzat Boukhari Yabara, que je salue, j'ai aussi le plaisir de le recevoir. Excellent Oui, j'ai vu historien, les ça. amis, donc lisez ses livres. Et la postface écrite par une certaine Laura Nina L'Aventure. Et là, j'ai lu la postface, ma mâchoire s'est décrochée pendant une fraction de seconde, mes yeux se sont fait écarquiller, j'ai dit, oh là là, il faut absolument que je rencontre cette dame. Parce qu'elle a écrit. Alors, la question que j'ai envie de te poser, même si elle paraît évidente, qu'est-ce qui t'a donné envie de postfacer le livre de Jaï? Ah ben c'est Jaï. Franchement, je connais Jaï depuis... Oula, je ne m'en rappelle plus. Depuis quand? Ah! 2013, 14, quelque chose comme ça, dans ces alentours-là. Ah non! Ah non, 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 c'est plus ancien. J'étais enceinte à l'époque où j'ai découvert Jaï. Non, c'est en 2017 que j'ai eu la joie d'avoir un tout mignon petit garçon. Enfin bon. Je vais parler longtemps si je parle de lui. Mais Maman du pour coup, un jour, maman Jaï. pour toujours. Ah oui. Mais du coup, je connais Jaï depuis 2017. Ben, tu vois, je pensais que c'était plus longtemps. Mais bon. Comme quoi, ce n'est pas la longueur des années qui fait qu'on se connaît bien, c'est la qualité de notre relation. Exactement.
Et franchement, c'est une personne que j'admire beaucoup. Il a vraiment le sens de l'opiniâtreté, de la persévérance. Il a essuyé des histoires, franchement, mais hallucinantes. Mais il a continué. Il a d'abord fait son documentaire avec de très belles personnes comme Cyril Gougou, Juliette Smeralda et j'en passe et des meilleurs. Ce livre, qui est une version, je dirais, écrite de son combat, c'est vraiment quelqu'un qui a pour mission, je pense, que d'amener chacun à s'éveiller, à prendre soin de lui et surtout à enfin se défaire de ces chaînes qui ne sont plus visibles, qui sont mentales, qui sont biologiques aussi, parce que notre alimentation mérite d'être révisée pour beaucoup. Donc, toutes ces manières pour nous de nous rattacher à un système qui ne prend pas soin de nous, ni au niveau mental, ni au niveau identitaire, ni au niveau psychologique, ni au niveau financier, à aucun niveau que ce soit. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire cette postface, parce que je sais que ce livre a déjà aidé beaucoup de personnes et va aider encore plus de personnes dans l'avenir. Faut juste que ben, l'information arrive. Est-ce que la plupart des internautes qui sont là dans African Chronicle, est-ce qu'ils sont au courant que ce livre, c'est une manière, c'est un guide pour se défaire des chaînes mentales aussi, pas que des chaînes physiques. C'est vrai qu'il y a ce côté où c'est un livre qui est le témoignage d'une personne, mais c'est une personne qui a passé ce cap, en fait, qui est passée de l'inconscience complète, et d'ailleurs il le dit bien et je le chambre un petit peu au début de la photo. J'ai osé. Donc je le chambre un petit peu sur ça, mais c'est vrai, c'est vraiment quelqu'un qui est passé d'un terreau particulièrement infertile à sa conscience, à quelque chose de beaucoup plus en accord avec ses ancêtres, avec ce qu'il est vraiment, la nature de sa personne. Et c'est vraiment ça qui m'a amené à écrire cette postface, c'est que c'est un livre de très grande qualité que j'invite tout le monde à lire, que vous pouvez vous procurer en allant voir Jaï directement. Et si vous êtes sur Paris, vous l'avez aussi chez Tameris ou Matawi, qui est une librairie 19 rue du Chalet, dans le 11e à Paris. Alors, puisqu'on est à parler de livres, et comme je le dis très ouvertement, j'ai été assez impressionné, j'ai beaucoup aimé ton intervention, ta postface. À quand un livre signé Laura L'Aventure? Eh bien, à très bientôt. Parce qu'en fait, j'ai commencé plein de livres. Une seconde, une seconde. Oui. On rembobine. Là, il faut que tu le dises tout doucement parce que ça, là, je vais faire le malin en exclusivité internationale, interplanétaire, intergalactique. Notre invitée prépare un livre et qui est qu'elle va présenter, évidemment, sur la chaîne The African Chronicle. Là, je m'envoie quelque Avec joie, oui. Vas-y, je Parce t'écoute. qu'en fait, j'avais commencé plusieurs livres et il y en a un que je suis en train de coécrire avec une patiente qui ne sera pas auteur du livre avec moi, on ne sera pas co-auteur, parce qu'en fait, c'est une thérapie menée de A à Z qui a amené à l'écriture de ce livre. Et donc, ce que j'ai envie de faire, c'est, bon, évidemment, ça reste entre nous, même si on est 5 000 sur ta chaîne, mais c'est un livre qui a été écrit au fur et à mesure de cette thérapie. Et là, je suis en train de croiser ce que j'ai écrit avec ce qu'elle a écrit. Ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que je me suis dit, mais il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'aller voir un psychologue et qui n'iront jamais. Et si ils n'avaient pas besoin d'aller voir un psychologue pour avoir, pas les conseils, mais en tout cas l'accompagnement d'un psychologue. Et donc, c'est le défi que je me suis donné avec ce livre, qui est comme un guide pour D'accord. prendre soin de sa psychologie, de sa santé mentale. Et autant que faire se peut de la manière dont on prend conscience de qui on est. Évidemment, ça ne se substitue pas à un accompagnement. Mais ça sera déjà un très grand pas. Un très grand travail sur soi-même. Affaire à suivre, donc une fois que tu seras prêt, évidemment, tu sais où me trouver. Ça me fera un grand plaisir de lire ton livre et qu'on en discute ensemble dans cette émission. Alors, on va prendre une première question. Je vois Nicky Larson qui pose une question que j'ai entendu parler. Alors, il paraît que le traumatisme reste dans l'ADN. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand un traumatisme est suffisamment puissant, on peut dire en termes d'intensité, et
ou quand le traumatisme a eu lieu pendant une longue période, il peut s'inscrire dans l'ADN. Notre ADN dit beaucoup de nous. On pourrait lire la vie entière d'une personne à travers son ADN. Mmh. Et c'est ce qui reste aussi quand la personne n'est plus là. Par exemple, on pourrait lire dans mon ADN une partie de l'histoire de mes aïeuls, de mon grand-père, par exemple, parce que ce sont des personnes qui ont vécu des traumatismes très importants. Et c'est pour ça que je précisais que je suis africaine de la Martinique, je fais partie des personnes qui ont l'héritage de l'esclavage aux Antilles à l'intérieur de leur ADN. Donc oui, malheureusement ou heureusement, les traumatismes s'inscrivent dans l'ADN. Pourquoi je dis malheureusement ou heureusement? Parce qu'en fait, au moins on sait où aller travailler. C'est déjà ça. Et puis, il y a ce côté où, comme les choses s'inscrivent dans l'ADN, en travaillant sur soi, on peut tendre à ce que la chose ne soit plus dans notre ADN et qu'on inscrive d'autres messages pour les générations. C'est l'intérêt de prendre soin de soi et de faire une psychothérapie, c'est de pouvoir inscrire d'autres choses. D'ailleurs, c'est ce que Frantz Fanon dit tout au long de son livre, c'est la prise de conscience des choses, de ce qui nous arrive. Il explique plein de symptômes, notamment l'indolence, le fait d'être juste là, de ne pas être présent dans la vie, d'être là en fait, mais sans être là. C'est vraiment un des héritages de la période de l'esclavage et de la colonisation, c'est le fait de ne pas être présent à soi ni dans le monde. Donc oui, le traumatisme s'inscrit dans la vie. Intéressant. Merci pour cette réponse. Merci pour la question, mon cher Niki. Et les autres, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, évidemment, je me ferai un plaisir de les passer. Avant qu'on continue dans notre conversation, pour ceux qui n'y connaissent rien, comme moi, par exemple, on entend psychologue, psychiatre, psychothérapeute. Donc, on s'est dit psy, il y a la racine commune, c'est un rapport avec l'esprit, mais il y a thérapeute, on se dit, bon, il y a une thérapie, psychiatre. Mais c'est quoi la différence, en fait, entre un psychologue, un psychiatre et un psychothérapeute? Est-ce que, déjà, on va commencer par ça. C'est quoi la différence entre les trois, s'il te plaît? Alors, la différence est très importante, mais pas très connue. Un psychiatre, c'est un médecin. Ça veut dire qu'il a fait minimum 10 ans d'études pour être un médecin. D'accord. Et après, comme beaucoup de médecins, sauf ceux qui sont généralistes, eh bien, il fait une spécialisation. Et cette spécialisation, c'est en psychiatrie. Donc, c'est quelqu'un qui va étudier autant que faire se peut toutes les pathologies psychiatriques existantes et va apprendre à diagnostiquer et à donner des médicaments. Ok, le psychiatre est un médecin. Il fait études. Ok. D'accord, vas-y, continue. Intéressant. Alors, le psychothérapeute? Le psychothérapeute, c'est une personne qui avait une formation de base ou pas. En général, je conseille plutôt de voir un psychothérapeute qui est, par exemple, psychologue ou psychiatre au départ, parce qu'il y a une base, en fait, des sciences humaines, une base pour apprendre ce qui arrive à l'être humain quand il a tel ou tel symptôme. Et le psychothérapeute, c'est quelqu'un qui a appris une ou plusieurs techniques particulières. Par exemple, je suis psychologue et psychothérapeute, parce que j'ai appris des outils qui s'appellent les TCC, les thérapies cognitives et comportementales. Donc, la thérapie de l'ICM maintenant. On regarde les symptômes et on applique des outils pour que la personne retrouve son bien-être ou arrive vers un mieux-être. Quant au psychologue, pour être un petit peu plus clair, quant au psychologue, le psychologue, c'est un professionnel qui a fait 5 années d'études en psychologie. Je précise, il y a une bonne année, pour que vous puissiez vous rendre compte que le psychiatre qui fait 2 années où il apprend ce que c'est que les maladies et les diagnostiquer, le psychologue lui fait 5 années où il apprend la globalité, donc 3 années de licence où il apprend les choses de manière globale, et 2 années où il se spécialise. Par exemple, je suis psychologue clinicienne, c'est-à-dire que mon rôle est d'être au chevet des gens, littéralement. Il y a des psychologues du développement, psychologue pour les enfants, psychologue du travail, psychologue social, donc quelqu'un qui a une expertise sur la société en elle-même et comment elle fonctionne, et en sachant qu'évidemment, chaque professionnel peut choisir d'augmenter ses compétences dans tous ces domaines.
Donc, c'est 5 années pour apprendre à passer de l'apprentissage des maladies, de ce que c'est, à l'écoute de la personne. Les 2 années de spécialisation servent à ça, à apprendre à écouter l'autre et à lui apporter des éléments qui lui donnent un sens. Je dirais que le psychologue est un miroir de ce qui vous arrive. Le psychologue ne peut rien faire si vous ne parlez pas. Si vous allez dans un cabinet et que vous vous taisez, vous allez payer pour rien. Donc, allez voir un professionnel en qui vous avez confiance, qui vous inspire, avec qui vous avez une bonne relation thérapeutique, c'est-à-dire que on parle vraiment d'alliance, de relation thérapeutique, dans le sens où il faut vraiment que cette personne, vous ayez un bon feeling réellement avec elle, ou il ou elle, peu importe, j'ai dit elle parce que c'est moi, mais il faut que vous ayez une bonne relation, une bonne alliance thérapeutique avec cette personne, que cette personne vous donne un bon sentiment. Et de là, vous pourrez travailler sur vous-même. Parce que la principale mission du psychologue, c'est de vous écouter et que cette écoute vous fasse du bien. Vous parlez à quelqu'un en qui vous avez un minimum de confiance en général. Ben, c'est pareil pour ce professionnel, même si au départ c'est un étranger, mais vous allez apprendre à vous connaître pour aller vers votre bien-être. Donc, Alors, le psychologue, c'est un professionnel de l'écoute. Le psychiatre est un professionnel qui a la capacité de voir les symptômes, de diagnostiquer et de donner des médicaments. Et le psychothérapeute, c'est un professionnel qui a appris des outils pour prendre soin de vous. D'où le fait qu'on peut être psychologue et psychothérapeute, psychiatre et psychothérapeute. Ok, parce que je te pose la question, parce qu'effectivement, j'ai l'impression que la différence n'est pas tellement connue du grand public. D'ailleurs, moi, Non. j'y connais rien, et c'est pour ça que d'ailleurs, je t'ai invité. Alors, comment je fais, admettons, justement, je veux voir un professionnel, mais je ne connais pas la différence. Comment je fais pour... À qui je m'adresse? Comment je... Voilà, admettons, prenons un cas, voilà, que ben, en ce moment, Chango, c'est pas terrible, il va pas bien, et il aurait bien besoin des services d'un professionnel. Je me tourne vers qui? Le psychiatre, le psychologue, le psychothérapeute? Comme il y en a trois, j'y connais rien. Comment je fais? Alors, bah, ça dépend de ton budget. Je suis vraiment attristée de dire ça, mais c'est vrai que ça dépend pour beaucoup du budget. Par exemple, malheureusement, je ne connais pas ce qu'il en est au Canada. J'ai pensé à me renseigner, mais ce sont les grandes vacances. J'avoue, j'ai oublié qu'il est tout petit à la maison. Mais tu verras, on va essayer de poster ça en commentaire si tu peux rajouter ça après le live. Mais en France, en tout cas, le psychiatre est remboursé par la sécurité sociale, ce qui veut dire que vous pouvez prendre soin de vous gratuitement. Mais le psychiatre n'est pas un professionnel de l'écoute. C'est-à-dire que vous allez le voir peut-être pour ajuster vos médicaments, si tant est que vous ayez besoin d'un médicament. Mais il y a certains psychiatres qui sont aussi psychothérapeutes. Donc, si vous avez vraiment besoin d'être écouté, allez voir un psychiatre qui soit aussi psychothérapeute, un psychiatre qui a été formé à une technique d'écoute. Et sinon, si vous en avez la possibilité, allez voir directement un psychologue, puisque c'est un professionnel de l'écoute, c'est un L'écoute. professionnel qui est là pour vous écouter directement. D'accord. Après, ça peut arriver qu'on ait un passage un petit peu plus difficile dans la vie et qu'il y ait des symptômes qui soient handicapants ou non. Qui arrive et qu'en fait le psychologue seul ne peut pas vous aider, qui ait besoin de médicaments ou de techniques alternatives. Quand je dis techniques alternatives, je pense à l'herboristerie, la sophrologie, le magnétisme, l'énergétique avec les énergéticiens. Donc il peut y avoir des doubles suivis. Donc par exemple, si vous avez vraiment besoin par exemple, d'antidépresseurs ou de neuroleptiques, des choses comme ça, donc des médicaments qui ont une action sur votre cerveau qui vont vous aider à passer un moment difficile. Vous allez voir le psychiatre. Il n'y a que lui qui peut vous prescrire ce type de médicaments, même si les médecins généralistes ont tendance à prescrire aussi. Mais je vous invite, hein, quand on vous prescrit ce genre de choses, allez voir aussi un psychiatre si vous en avez la possibilité. D'accord. Mais donc, s'il faut des médicaments, c'est le psychiatre qui va vous donner les médicaments, en plus de la collaboration avec le psychologue. Et autrement, ben, vous pouvez aller voir des techniques alternatives comme l'herboristerie, si ben, vous voulez essayer, si vous laissez, disons, l'étape avant les médicaments d'une certaine manière,
ou en tout cas en fonction de comment vous êtes à l'aise avec les médicaments. Si vous êtes à l'aise avec, vous pouvez y aller, hein. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec les médicaments, vous voulez voir comment vous vous en sortez, par exemple, avec des plantes, en sachant, je précise, que les médicaments sont faits à base de plantes. Donc, voilà. L'un dans l'autre, on y arrive quand même à prendre soin de vous. Par exemple, millepertuis est une plante qu'on utilise comme palliatif à des moments de grande tristesse. Je précise juste parce que je me rends compte que j'ai cité le millepertuis, ce n'est pas une indication que je fais aux internautes de la chaîne YouTube, c'est un exemple. Voilà. Si vous avez besoin même de plantes, allez voir un herboriste ou un psychothérapeute, un psychologue ou un psychiatre qui puisse vous orienter. Mais donc voilà, c'est un petit peu cela. Si on a un passage à vide ou un besoin d'être écouté, je vous indique plutôt la psychologue si vous en avez la possibilité. Merci en tout cas pour toutes ces différences entre les professionnels. Alors les amis, n'oubliez pas, hein, si vous avez besoin d'aide, allez voir Laura par exemple, elle a son cabinet, ou si vous avez besoin de médicaments, passez par un professionnel, évitez l'automédication, surtout, surtout, surtout. Je vous propose très rapidement une petite courte pause, 1 minute, et on revient, c'est juste après ça. Et de retour, toujours en direct sur The African Chronicles Live avec notre invitée Laura Laventure, psychologue de métier. Et on parle de santé mentale dans la communauté. Et puis, j'ai vu à l'instant une très bonne question. Laissez-moi juste quelques instants pour la retrouver. Cette question, c'est de Nikki Larson qui dit comment vos ancêtres faisaient dans l'Antiquité pour gérer le mental. Alors, avant de laisser la parole à notre invitée, mon cher Nikki, j'ai un élément de réponse. Et cet élément de réponse, il est dans ce livre-là, L'Afrique noire, berceau de la médecine et de la chirurgie, écrit par Kwado Fernand de Bajolo. C'est un médecin de formation. Il pratique la médecine depuis plus de 20 ans en Martinique. J'ai eu le plaisir de le rencontrer au cours d'une conférence qu'il a faite ici au Canada. Eh bien, devinez quoi? J'ai découvert en lisant son livre que la psychiatrie était déjà pratiquée au temps des pharaons d'Égypte, il y a plus de 3000 ans. Donc vraiment, lis ce livre, tiens, je le remets ici. Kwado Fernand de Bajolo, L'Afrique noire, berceau de la médecine et de la chirurgie, mon cher Nikki. Je t'invite à te procurer ce livre. Et comme tu es un gourmand, mais que je t'aime bien, mon cher Nikki, j'ai même fait une vidéo sur ce livre où j'en parle, donc tu peux aller la retrouver sur la chaîne de African Chronicles. Alors, puis, ça c'était un élément de réponse que je voulais apporter, mais je vais laisser notre invitée apporter quelques éléments si elle le souhaite. Ma chère Laura, c'est à toi. Oui, bien sûr. Alors, bah, comme tu l'as bien introduit, qu'est-ce que c'est en commentaire? Ah, il y a une suite. Donc, je vais commencer par cette question-là. Donc, oui, comme tu l'as bien introduit, Shango, la psychiatrie, je dirais plutôt la psychologie, avait été déjà introduite par nos ancêtres, les Égyptiens, parce qu'en fait, ils s'étaient rendu compte que l'écoute fait partie des choses dont on a besoin. Ce sont des besoins vraiment primaires sociaux. On a besoin d'être reconnu pour qui on est et qu'on donne une place qu'on trouve juste et qui nous semble être la nôtre, qu'on soit
entendu, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui capte ce que vous êtes en train de parler et écouté. Et donc que quelqu'un vous comprenne et vous réponde de manière intelligible, de manière à ce que vous ayez eu l'impression qu'on vous a réellement écouté. Et c'est une base qui existe même avant, hein. Mais c'est vraiment en Égypte antique que j'ai retrouvé des traces de cela. Mais c'est pas vraiment la psychiatrie comme on la fait maintenant. Ça ressemble à un mélange entre la psychologie, la psychiatrie et en même temps les médecines alternatives. C'est-à-dire que en Europe, on a vraiment scindé les choses comme si les disciplines ne se croisaient pas, alors qu'en fait, en Égypte antique, beaucoup de choses se croisaient pour prendre soin de la santé mentale, notamment la spiritualité. C'est pour ça que je dis, c'est pas vraiment la psychiatrie, c'est vraiment une discipline qui englobe la psychiatrie, la psychologie, la spiritualité, l'herboristerie, la sophrologie. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses beaucoup plus larges dans ce qu'ils faisaient à cette époque-là. C'est pour ça que je parle un petit peu plus tôt de coupler les suivis, parce qu'on est hyper spécialisé en Europe, et pas qu'en Europe, hein, mais de moins en moins hyper spécialisé. Ça va un petit peu mieux, mais par exemple, moi, je suis psychologue, je suis coach aussi, je suis en train de me former en naturopathie, donc je tends aussi à être de moins en moins hyper spécialisé. Mais l'hyper spécialisation des professions fait qu'on, pour le moment, n'a pas égalé ce type de thérapie. Et donc, oui, il y avait déjà énormément de choses qui étaient faites pour la santé mentale, notamment le fait de ramener quelque chose de l'identité. Avoir une connaissance très fine et très claire de soi, de qui on est, c'est quelque chose qui soigne. Alors, il me semble, je parlais de ce que je connais, dans les populations bassa, quand on se présente, on ne dit pas « je suis Laura, Lina, j'ai fini ». Ça n'existe pas, pas du tout. On cite son village, le chef du village, les parents. Avant de parler de soi, on parle de qui nous a précédés. On parle quand de même... notre... Oui. Pardon, je t'ai coupé, je te laisse finir, pardonne-moi. Non, j'allais dire qu'en fait, pour parler de soi, il faut parler de sa communauté, de l'ensemble en fait, parce qu'on n'est pas seul. D'ailleurs, la solitude fait partie des choses qui sont modernes et qui ont amené des pathologies très particulières. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pathologies qui ont été reconnues et étiquetées récemment, parce qu'en fait, c'est très récent qu'on considère, par exemple, que la famille, c'est une cellule nucléaire. Quelle horreur! Le papa, la maman, l'enfant, et encore, tout dépend de la configuration de la famille, évidemment. Voilà, toutes les configurations sont OK, donc on pense sur l'enfant. Mais il y a vraiment cette idée qu'on est trois grand maximum, voire quatre, si on a de la chance d'avoir des parents à côté, pour prendre soin d'un enfant. Alors qu'en fait, non. Qu'on soit adulte ou un enfant encore plus, on a besoin d'un ensemble de personnes autour de soi. Je constate, après t'avoir écouté, la différence d'approche et de segmentation. Parce que je comprends qu'en Afrique, la santé mentale, ça inclut beaucoup de disciplines qui, en une seule, en fait. C'est la même discipline. Alors qu'en Europe, bah, c'est morcelé, on a découpé toutes ces disciplines. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, quand on se présente, on dit d'où on vient, quel est mon village, quel est le chef du village, voici ma famille, ceci. Et en dernier, on se présente. Le fameux concept de l'Ubuntu, je suis parce que tu es. Et en Europe, ça n'a rien à voir. En Europe, je comprends que c'est l'inverse. Je suis moi, et puis merci, bonsoir. Et puis ma famille, c'est papa, maman et le chien. Et je comprends qu'au fil du temps, puisque c'est ce style de vie qui nous a été imposé par la force, le fouet, le fusil... Et les livres saints, je mets beaucoup de guillemets là-dedans, et je viens de me faire plein d'amis en disant ça, d'un seul coup. Alors, d'où la question. Et je vais ensuite prendre une autre question, mais quand depuis tant d'années, on nous a un peu forcé à embrasser le mode de vie de l'autre, au détriment d'une autre, comment on fait pour essayer justement de se débarrasser de ce qui est un fardeau? Mais j'ai comme l'impression que tout le monde ne le voit pas comme ça, parce que peut-être qu'on ne s'en rend pas compte que ce que nous vivons, ce n'est pas nous profondément. Comment on fait pour, à un moment donné, ben, j'ai envie de dire se réveiller, puis dire, mais
c'est pas ma vie. Ma famille, c'est pas juste papa, maman et le chien-chien. C'est le tonton, la tante, le cousin du cousin, l'ami du cousin. Comment on fait pour essayer de se débarrasser de cette... Est-ce que tu as une petite idée ou un élément de réponse ou même une théorie? Bien sûr. Alors, déjà, la prise de conscience, c'est la base, hein, vraiment. Je prends toujours les exemples autour de moi pour clarifier mon propos. Mais quand je prends certains membres de ma famille, si jamais j'ose dire que je suis africaine de la Martinique, on va me dire non, mais tu es martiniquaise, ça ne veut rien dire. Hein? Parce qu'en fait, il y a ce côté où il n'y a pas de rattachement à l'Afrique. Ok, mais en fait, l'histoire est là, les choses sont là. Et la prise de conscience, c'est vraiment la première chose. Déjà, connaître, c'est vrai que dans notre cas, puisque je citais quelqu'un de ma famille, dans notre cas, c'est très compliqué d'aller au bout de certaines générations, parce que justement, cette loi du silence est allée très loin, hein, ça a été aussi dans tout ce qui est documentation. Puis en même temps, quand on est référencé bien meuble, 9000, quelque chose comme ça, bon, c'est pas très humain tout ça. Effectivement. Donc, il y a des choses qui font que c'est difficile de revenir à ses ancêtres, même si heureusement, il y a quand même des éléments de réponse dans l'ADN, toujours, le fameux. Mais il faut prendre conscience de ce qui s'est passé avant soi et ce que ça implique pour soi. Donc, c'est vraiment la première des choses, la prise de conscience. Et à partir du moment où on s'en rend compte, c'est le savoir qui crée beaucoup de choses. Ok, on sait. Ouh là là. C'est le quoi, pardon, parce que là le savoir. Le le savoir. Voilà. Vous voyez, les amis, hein, parce que vous allez dire, ouais, mais Shango, tu nous rabats les oreilles avec tes livres, le savoir, voilà, notre invité. Alors, on s'est pas préparé, hein, on s'est pas vu, on s'est pas concerté, hein, pour dire ça, vous avez vu, le savoir. Si vous ne savez pas comment vous faites pour combattre le mal qui vous ronge. Ah, merci infiniment. Ah, merci Laura. Je suis bien heureux que tu le dis, c'est de la musique à mes oreilles. Pardonne-moi. Avec joie. Je te laisse continuer. Donc oui, le savoir fait beaucoup de choses pour votre santé mentale, pour votre bien-être. Parce qu'à partir du moment où on se dit, ok, il y a eu l'esclavage et la colonisation, et c'est-à-dire, qu'est-ce que c'était? Comment c'était là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont subi réellement, ces aïeux? Parce que par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont croire qu'il y a eu une transmission linéaire des traumatismes de l'époque de l'esclavage et de la colonisation à maintenant. Mais non, c'est pas linéaire et ça ne peut pas l'être pour plusieurs raisons. La première, c'est que, eh bien, aussi particulier que ça soit, les esclaves avaient énormément de clés. L'estime de soi, la déshumanisation, l'humiliation allaient à un niveau, mais enfin, c'est à un niveau tel, une telle intensité, franchement, les traumatismes, le stress post-traumatique, franchement, c'était waouh! Une intensité incroyable de violence morale, sexuelle, physique, enfin, ouf! Tellement de choses! Mais quand vous subissez ça, mais que malgré tout, vous savez qui vous êtes, vous savez que vous êtes beaucoup plus que ça, vous savez que vous êtes le fils de tel roi, que jamais on ne pourra vous enlever ça. Vous savez qui vous êtes. Et c'est ça qui est puissant. Vous pouvez traumatiser quelqu'un jusqu'à l'infini. Ça va le rendre dépressif, ça va faire plein de choses. Mais cette personne aura encore une estime de soi qui est constructive. Et puis quand vous avez des figures, alors tout dépend des époques auxquelles on se rattache, mais quand vous avez des négresses solitude, quand vous avez des Toussaints qui devint plutôt l'ouverture, quand vous avez toutes ces personnes-là, et j'en passe des meilleurs, j'ai même pris une page de mon livre pour être sûre de citer tout le monde, parce que vous avez Nat Turner, vous avez donc Solitude que je parlais, Delgrès en 1766,
Vous avez Frédéric Douglas, Rosa Parks, Zumbi Dos Palmarès, et la liste est très longue, excusez-moi, je ne vais pas vous citer tout ça. Ben oui, quand vous avez toutes ces belles personnes, ces beaux exemples, et vous vous dites, ah, mais ce n'est pas un besoin de liberté, c'est un combien, c'est pas une liberté qu'on viendrait vous vanter de l'extérieur, vous dites, oh, je ne sais pas ce que c'est, mais je vais y aller. Non, c'est un besoin, en fait, à l'intérieur de soi. Vous savez qu'il y a des personnes en dehors de là où vous êtes, en dehors de l'habitation, en dehors de la plantation, qui luttent pour la cause noire. Vous savez tout ça, vous savez ces six beaux exemples, vous ne pouvez qu'avoir une estime de vous qui tend à se reconstruire. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de choses, mine de rien, pour essayer de dépasser tout ça. Évidemment, évidemment, quand je dis tout ça, c'est avec beaucoup, beaucoup de pincettes, parce que l'esclavage n'était pas le même partout. Absolument. Toutes les plantations ne se valaient pas. Il y avait des maîtres, mais d'un sadisme. Oui. Et je ne parle même pas des expériences chirurgicales de, je ne veux pas le citer, Smith, là, de l'autre côté. Bref, en tout cas, toutes ces personnes-là qui ont été, mais vraiment, d'une incroyable violence. Et puis, c'est répété, puisqu'en fait, une personne qui est sadique fait ça tout le temps. Ça l'amuse. C'est pas bon pour vous, mais ça l'amuse. Donc, évidemment, hein, tous les esclavages ne se valent pas. Dans tous les lieux, ce n'était pas la même chose. Les plantations étaient différentes. Donc, évidemment, c'est avec des pincettes. Mais il y avait énormément de choses qui permettaient qu'on puisse trouver une manière, soit de savoir qu'en fait, la liberté peut être atteinte, c'est-à-dire cet espoir-là, cette chose où, malgré tout, il y avait cette dynamique mentale, en fait, sur le fait que bien, il n'y avait pas que ça. Et puis il y a tous les mouvements, les nègres marrons, les Jamaican marronneurs et j'en passe et des meilleurs. Toutes ces personnes-là, en fait, apportaient un espoir aux esclaves qui avaient des échos de tout ça. Mais quand vous avez passé toutes ces choses-là et que la loi du silence s'est installée et qu'il faut être adapté, assimilé et qu'en fait vous gagnez en fait cette espèce de. C'est-à-dire que cette hargne, cette rage, cette envie d'être a été enfouie. Et puis on a dit, mais non, mais regarde, il y a eu l'abolition de l'esclavage. Même si aux États-Unis, ils ont trouvé un moyen de prolonger l'esclavage après l'abolition. Bon, franchement, c'était quand même sacré. Oh là là, bref. Mais quand il y a eu tout ça finalement qui s'est apaisé, qui a une espèce de confort inconfortable qui s'est installé comme ça, et puis on ne parle plus de tout ça. À l'école, Malcolm X, hein, non, qui sait, ah bon, Frantz Fanon, ah même, c'était le nom du collège, non, c'est le nom du gars sur le collège. Oui, franchement, j'ai déjà rencontré des enfants qui me disent, mais oui, non, mais c'est pas le nom du lycée, là, à Sainte-Marie. Le nom d'un lycée. Non, mais c'est horrible. Parce qu'en fait, ça n'est plus enseigné. Les enfants naissent, les parents naissent, soit avec cette exigence de se taire, soit on ne dit plus rien, donc bon, l'enseignement n'est pas là. Et finalement, l'histoire est racontée par plein de personnes, mais pas par les personnes qui les vivent. Donc on peut mettre à l'intérieur des psychismes tout ce qu'on veut, des éléments. Non, on va aborder cette question justement de l'éducation, du non-dit, entre guillemets, du secret, du tabou. On va y revenir. Avant d'aborder cette question, je vois qu'il y a une question qui est assez intéressante. J'aimerais bien qu'on la soulève. C'est de la part de Hubert Nanguet, que je salue. Salut Hubert. Il demande comment soigner un problème mental avec un médicament alors que le problème émane de l'aspect immatériel, entre parenthèses la pensée, le refoulement ou une action manquée. Alors, comment je soigne un problème mental avec un médicament? Alors, on ne soigne pas un problème mental avec un médicament, désolée de dire ça. Par contre, on apaise les symptômes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dépressif, si on lui donne de fortes doses d'antidépresseurs, cette personne ne sera plus malade puisqu'elle va dormir. C'est normal. Vous plus dépressif si vous avez sommeil. Excusez-moi, je suis un petit peu sarcastique là-dessus parce que franchement, ce n'est pas ça qui soigne. Par contre,
Si vous prenez des doses d'antidépresseurs, mais qu'à côté, vous avez une psychothérapie, un psychologue qui vous suit, un endroit où parler, où dire les mots, où comprendre, mettre du sens sur les choses, ça ne sera pas pareil. Donc, non, le médicament ne guérit pas. Franchement, ceux qui ont du mal avec ce que je dis là, n'hésitez pas à venir me voir. Vous avez eu le site internet, il y a mon numéro, vous pouvez m'appeler, pas de problème. Mais non, ça ne soigne pas. Ça fait qu'à un moment, vous pouvez apaiser les symptômes et supprimer certains symptômes. Par exemple, si vous êtes délirant et que vous voyez des choses, et bien les neuroleptiques vont tendre à vous aider, même si c'est parfois pas parfait du tout, puisque j'ai fait des stages en psychiatrie et franchement, il y avait des gens qui, même sous neuroleptique, étaient encore extrêmement délirants. Mais donc, en fait, les médicaments apaisent les symptômes pour que le thérapeute ou le professionnel de l'écoute ait accès à vous. Parce que des fois, les symptômes prennent tellement la place quand vous faites une crise d'angoisse, quand vous faites une crise délirante, quand vous avez les symptômes qui prennent toute la place, la psychothérapie, bon, quelqu'un va venir vous parler, ça va pas marcher. Mais par contre, si vous prenez un symptôme qui permet d'apaiser, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une action sur vos neurones qui va apaiser puissamment ce qui vous arrive, là, ça pourra, eh bien, le thérapeute aura accès à vous et vous donner des éléments qui mettent du sens, qui vous apaisent. Merci pour cette réponse. Mon cher Hubert, j'espère que cette réponse te convient. En tout cas, Hubert, merci d'être là et n'hésite surtout pas à poser d'autres questions. Je regarde dans les commentaires s'il y a des commentaires ou d'autres questions. J'ai ici Infinity Joy qui nous salue. Otep Infinity Joy, tu es le ou la bienvenue. J'ai envie de dire la bienvenue. Souvent, Infinity, ça sent... Bon, bref, je ne veux pas vendre la peau de l'ours. Kim Pavita, Otep, toi aussi, je te salue. Philomène Maté, Philomène. Salut à toi, imposé par la peau. Oui, c'est vrai que ben, on a connu ça. Tout à fait. Après avoir reçu les coups de fouet, ben, le fouet mental, hein, la politique d'assimilation, tu dois être comme nous. À Rome, à Rome, tu fais comme nous à Rome. Donc, oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Philomène, que je salue bien évidemment au passage. Et puis, tu as une question ici de Nicky Larson que je trouve intéressante. Qu'est-ce que tu en penses? Il demande, est-ce que notre peuple souffre du syndrome de Stockholm. Alors, avant de répondre à la question, est-ce que tu peux juste faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas, parce que nous sommes aussi dans la pédagogie, qu'est-ce que le syndrome de Stockholm? Pour faire simple, le syndrome de Stockholm, c'est quand quelqu'un, par exemple, a été kidnappé par une personne, vous êtes kidnappé, et au bout de quelque temps, vous commencez à ressentir de l'empathie pour la personne qui vous a kidnappé ou pour l'agresseur. Et au fur et à mesure, bien, vous allez trouver des excuses à cette personne, vous dire non, mais en fait, il y avait telle situation qui excuse telle autre. Il y a même des victimes qui se retrouvent, bah, par exemple, à se marier avec leur agresseur. Ou... Oh, oui, à partir du moment où on laisse les gens dans un entre-soi, il peut se passer plein de choses. Hein? Voilà. Il y a un exemple comme ça que j'avais vu aux États-Unis d'un père qui violait sa fille. Je m'excuse, hein, au cas où, n'hésite pas à mettre moins de 18 ans en dessous de ce que je vais dire. Mais il y a un père qui violait sa fille, qui a violé sa fille pendant des années. Et à un moment, il y a eu un petit quelque chose qui s'est passé. Ben, la fille, finalement, a cru que ben, son père faisait ça parce qu'il était amoureux d'elle et qu'elle avait réussi à être la femme qu'il n'avait jamais eue. Eh bien, aujourd'hui, son mari, ils ont 3 enfants, je crois. Bref, voilà, je ne juge pas évidemment, je dis juste qu'il faut se soigner, c'est vraiment important. Quand vous voyez que quelqu'un pourrait avoir besoin d'une aide, évidemment, vous ne dites pas à la personne, ah, va te soigner, non, ça va pas passer. Mais par contre, si vous pouvez simplement l'éveiller sur le fait que ben, de votre point de vue, la situation ne semble pas optimale pour elle, ou peut-être qu'il faut que la personne pense à ouvrir sa situation aux autres, ou que si la personne ressent des malaises par rapport à sa situation, il ne faut pas hésiter à en discuter, même avec un travailleur social. Hein, le premier point d'accroche des fois pour sortir de certaines situations, ce sont les travailleurs sociaux qui font un très très beau travail sur la situation. Mais donc le syndrome de Stockholm, c'est quand, ben, au lieu de reconnaître votre statut de victime, ben, vous pensez que vous participez à la situation. Et que la personne qui est en face, qui est normalement votre agresseur, ne l'est plus. Du coup, une fois que
Merci en tout cas pour cette explication. Il était bien de le rappeler parce que tout le monde ne se souvient peut-être pas de la définition du syndrome de Stockholm. Et je trouve la question de Niki intéressante parce que ça ressemble pas mal à ce qu'on vit, nous aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Quand on nous dit « oui, mais bon, l'esclavage est du passé, hein, Nina ». Franchement, Laura, bon, tu nous parles d'esclavage depuis tout à l'heure, mais c'est fini ça, c'est aboli. Hein, on a le droit de voter, c'est terminé tout ça. Alors, et hein, ils nous ont apporté des bonnes choses quand même, les colons. Oui, bien sûr. On avait l'or, ils ont pris l'or et on a eu la Bible. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, là, en tout cas professionnel, je dirais que... Alors, tout dépend de comment on voit les choses. Le syndrome de Stockholm, c'est vraiment quelque chose qui concerne la personne et l'histoire qu'elle a vécue. Par exemple, là, je me fais kidnapper, je tombe amoureuse de mon agresseur, je souffre du syndrome de Stockholm. Je viens de me faire kidnapper. Là, dans notre cas, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé de notre vivant. Enfin, ça dépend. Il y a encore l'esclavage à certains endroits. Donc, je vais prendre plutôt les héritiers de l'esclavage et non pas les personnes qui ont subi directement. Mais donc, en tant que personne ayant hérité, par exemple, dans l'environnement épigénétique, c'est-à-dire dans nos parents, les vivants, quand ils vous éduquent, ben, vous arrivez dans un bain d'angoisse ou de quoi que ce soit, quelle que soit la manière dont les choses sont vécues par rapport à l'autre, ou alors au contraire, un bain complètement apaisé, assimilé par rapport à la situation. Donc tout dépend de l'environnement qui vous a éduqué, mais nous n'avons pas directement vécu ça, donc c'est un héritage. En tant qu'héritage, on parle plutôt de traumatisme transgénérationnel. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a eu lieu avant vous, mais qui perdure pendant votre existence et peut-être après. D'accord. C'est quand même une petite différence subtile, mais quand même, il faut le préciser. Les amis, je vous propose une courte pause. Ça dure 10 secondes. On revient juste après ça. Regardez. Et surtout, oui, les amis, n'hésitez pas à liker, à partager, faites grandir la chaîne, merci beaucoup. Et je rappelle, évidemment, l'excellent livre de France Fanon, Peau noire, masque blanc. Je vous invite vraiment à lire ce livre, c'est un classico-classique, malheureusement, je dis bien malheureusement, ce qu'il dit dans ce livre qui a été écrit en 1959, merci Laura de me l'avoir rappelé, est toujours d'actualité. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre. Et puis, je vous rappelle, il y a un autre livre qui est très très intéressant, qui n'est pas assez cité de mon point de vue personnel dans la communauté, c'est ce livre-là, de la part de, du docteur Frances Cress-Welsing. Ah, le temps que la caméra focus. Docteur Frances Cress-Welsing, malheureusement, qui n'est plus parmi nous, qui nous a quittés, je crois, en 2015-16-17, par là. Et le livre s'appelle The Isis Paper, mais il a été traduit aussi en français, Les dossiers d'Isis, très, très intéressant. Cette dame, elle aussi, est psychiatre, qui a écrit un essai. Ce livre-là qui est très intéressant, Les dossiers d'Isis, je vous invite, j'ai mis les liens dans la barre de description, lisez ce livre, il est très très intéressant. Pas besoin d'avoir fait des études de psychiatrie ou psychologie pour comprendre, mais c'est très intéressant à lire. Et puis, pour prolonger encore une fois la conversation, je vous avais cité quelques exemples. Qu'est-ce que c'est qu'être noir lorsqu'on est aux États-Unis, enfin en Occident, même chez nous? Et il y a un très bon livre aussi qui a été écrit dans les années 50 qui s'appelle « Black Like Me » de John Howard Griffin. Je vous invite vraiment à lire ce livre. Ma caméra a du mal à faire le focus aujourd'hui, je ne sais pas. Black Like Me, de John Howard Griffin. En français, il a été traduit par « Dans la peau d'un noir ». C'est très intéressant. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'un journaliste blanc dans les années 50 qui se fait passer pour un noir. Il se rase les cheveux, il prend des pilules pour bronzer, il fait des séances d'UV. Et il se fait passer pour un noir et raconte son histoire en tant que noir. Et je ne vous en dis pas plus. Vraiment très... C'est une expérience sociologique très, très, très intéressante. Donc, Black Like Me en anglais ou Dans la peau d'un noir, je vous invite vraiment à lire ce livre. Très, très bon livre. Hein, comme j'aime à le dire. You're gonna learn today. You're gonna learn today. You're gonna learn today. Alors, ah tiens, Alex, salut à toi. Oui, merci les amis de liker, partager.
Tiens, tiens, le fétiche des guerres. Salut à toi. Bonjour, bonjour. Bienvenue, mon cher fétiche. Béthanie, oui, il y a aussi les effets secondaires. On l'a dit à l'instant, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous disent oui, bonjour de la part de Afro Tao Healing Dance Quikong with DJ. Ah, c'est un peu long. Tu m'excuseras si je m'arrête à Afro Tao. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Je vois que tu es pratiquant du Qigong, ça aussi. Le Qigong est un art martial qui peut aussi bien soigner que faire du mal. Mais bon, merci ma chère Afro. D'ailleurs, dans la deuxième partie de l'émission, tu pourras venir aussi en live nous expliquer un petit peu plus pour ceux qui ne connaissent pas le Qigong. Ça peut être très intéressant en termes de thérapie et de soins. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions avant de continuer. Je dis quand même un petit bonjour rapide à Eri Binto qui nous salue. Salut à toi, Otep. Et James Dango, bonjour à toi. Et je vois la question ici de Philomène. Est-ce que notre peuple souffre de troubles de dissociation? Certains d'entre nous n'aiment pas se dire africains. Ah bon? Tantinet taquin, le Shango aujourd'hui. Effectivement. Qu'est-ce que tu entends? Alors, la dissociation. La dissociation, c'est quand on n'est plus... par exemple, en fonction, il y a différents types de dissociation, mais c'est quand on n'est plus presque à l'intérieur de soi, si je peux parler sans mettre du jargon, c'est-à-dire qu'on peut par exemple dissocier nos émotions de nous-mêmes ou dissocier une partie de nous de nous-mêmes. C'est-à-dire que là, on parle vraiment de psychiatrie, là, on ne parle pas d'autre chose, on parle vraiment de pathologie très lourde. Tout un peuple bon à mettre en unité psychiatrique, heureusement que non. Heureusement que non. Mais par contre, il y a différents troubles. Par exemple, j'aime beaucoup un monsieur qui s'appelle Aimé Charles Nicolas. Tu vois, tu as apporté tes livres. Moi aussi. Qui est juste ici. Est-ce qu'on voit bien comme ça, oui. Vous pensez? Oui. Aimé Charles Nicolas, Benjamin Brown. Aimé Charles Nicolas. Ce livre est issu d'un colloque qu'il a fait en 2018, je crois, 2017-2018, quelque chose comme ça. Et ce livre est sorti l'année dernière. Et en fait, il a fait des colloques avec des professionnels de partout dans le monde et il s'est dit, ben tiens, est-ce qu'on arrivera à résoudre la question de l'impact de la psychologie des populations? Bon, c'est un très bon livre, mais il reprend beaucoup Fanon, tout ça, voilà. Donc, peut-être que vous pouvez lire l'original d'abord, parce que c'est un livre qui peut un petit peu décourager. Hein. Il est un petit peu long, mais c'est un très bon livre, si vous avez l'occasion de le lire. En tout cas, dans ce livre-là, ce monsieur dit bien que l'esclavage a créé des psychismes noirs et des psychismes blancs. Pourquoi je précise ça? C'est que les pathologies sont des deux côtés du fouet. D'accord. Celui qui est fouetté tout autant que celui qui fouette. Que ce soit l'esclave qui fouette, que ce soit le maître qui fouette. Pourquoi je précise ça? Parce qu'en fait, il y a vraiment plein de pathologies qui ont été créées à cette occasion-là, mais c'est devenu constitutif d'une manière de penser. D'où le fait de dire qu'il y a des psychismes noirs et des psychismes blancs. Par exemple, je citais tout à l'heure là les horreurs que nous avions subies, les violences, les manières d'avoir de la terreur en permanence, les violences, le fait de subir des violences dans tous les genres et surtout que ça soit répété. C'est-à-dire que ce sont déjà que le stress en soi post-traumatique est important, mais c'est comme si tous les jours vous alliez à la source du traumatisme. Et donc c'est vraiment, il y a l'occasion d'être déréalisé, c'est-à-dire que le familier n'est plus familier, il devient étranger, on devient même étranger à soi-même. Donc la torpeur, la déréalisation, on peut parler de dissociation, puisqu'en fait, vraiment, ce qui est familier devient complètement étranger. Donc là, pour le coup, le mot dissociation est pleinement son sens. Donc c'est vraiment une inscription hein, dans l'inconscient qu'il y a eu, parce que justement, dans l'inconscient et dans l'ADN, pour reprendre la question de début, donc c'est vraiment une inscription dans l'inconscient. Donc marqué au fer rouge, on peut parler véritablement
de la création de psychisme noir, puisque cette hiérarchie des couleurs, le colorisme aussi est né à ces époques-là. Mais c'est un fonctionnement qui, malgré tout, est plus ou moins opérant. Par exemple, je ne m'enlève pas du lot, hein, et je fais exprès de ne pas m'enlever du lot, c'est-à-dire que même en ayant le savoir, il y a encore des choses que je fais, je me dis « Ah, par contre, ce truc-là, voilà. » Mais c'est pour ça que je disais que le savoir, c'est vraiment l'une des armes les plus importantes que vous avez, parce qu'en fait, quand vous savez et que vous faites quelque chose qui ne convient pas, mais vous savez, vous avez la conscience de la chose, donc vous avez la possibilité d'arrêter ce que vous êtes en train de faire pour décider de votre propre volonté délibérément d'avoir de notre comportement. C'est pour ça que je dis bien que le savoir, c'est la première des armes que vous avez, surtout si vous n'allez pas... Ouh, eh ben, de la musique à mes oreilles. Pardon, excuse-moi, c'est l'émotion qui me fait réagir comme ça. Je vais découper, je te laisse terminer. Je t'en prie. Et donc vraiment, quand vous voyez que vous avez des comportements qui sont inadaptés véritablement, et quand je dis inadaptés, c'est pas adapté dans l'inadaptation habituelle, hein, c'est inadapté tout court, oui. Par exemple, que tout le monde se mette à gueuler dans une maison, c'est adapté dans le fonctionnement de la famille, mais c'est inadapté tout court. Effectivement, depuis quand on communique en étant violents les uns envers les autres? Non, la vie est une expérience de douceur. À partir du moment où vous n'êtes plus dans la douceur, c'est qu'il y a quelque chose à voir. Et ce cri, d'ailleurs, il en parle aussi beaucoup, Monsieur Nicolas, ce cri, cette manière de se faire entendre, de se faire voir, d'appeler à reconnaître son identité, ça aussi, ça fait partie des choses qui sont à déconstruire et à voir comme des héritages. Parce qu'en fait, c'est une manière de dire, mais en fait, j'existe, j'ai le droit d'exister comme je veux. Je suis qui je suis et tu n'as pas le droit de m'empêcher d'être qui je suis. Je voudrais qu'on continue pour prolonger. Ça tombe bien, c'est de la transition toute trouvée. Je pense de ce que tu as dit. Je vous invite, je vous dis rien. J'avais déjà passé cette vidéo dans une autre émission. On regarde la vidéo et on revient. Regardez. Is the black doll? And which one is the white doll? That one. Which doll is the pretty doll? Which doll is the nice doll? Which doll is the bad doll? Which doll is the nice doll? And which doll is the bad doll? And why is that doll pretty? Because she's white and he has two eyes. Which doll is the ugly doll? Why is that doll ugly? Because he's black. Which doll looks most like you? Like me? Yeah, which one looks like you? And that one. Okay. That doll. De retour sur The African Chronicle Live, toujours avec notre invitée Laura Laventure, psychologue. Et je vais vous mettre ici voilà, son site internet. Je vous invite à aller rendre visite à Laura, frapper à sa porte, dites « je viens de la porte de Shango » et elle va vous recevoir. D'ailleurs, même si vous dites que vous venez tout seul, hein, elle vous recevra avec grand plaisir. Vous pouvez aussi la contacter sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Alors les amis, n'hésitez pas, rendez visite à notre invitée Laura. Vous avez vu cette vidéo, on l'avait déjà regardée ensemble. Cette vidéo est très, très pertinente. Je vous rappelle, juste pour le contexte, la première fois que cette expérience a été réalisée, c'était, je crois, dans les années 40 ou 50. Je ne me rappelle plus exactement. Et c'est tiré de ce livre « Raised Children, Race and Power ». C'est un excellent livre, j'en avais déjà parlé. Je vais vous mettre, après l'émission,
le descriptif pour pouvoir vous le procurer. Très intéressant. Donc, l'expérience, vous l'avez vu, hein, on met deux poupées, une noire et une blanche devant les enfants. On leur demande, voilà, quelle est la poupée qui est belle, quelle est moche, et vous avez vu. L'expérience a été réalisée une fois de plus dans les années 80. On a exactement le même résultat. L'expérience a été réalisée de nouveau en Europe auprès d'enfants métissés ou noirs dans les années 2015 à peu près, et on a exactement le même résultat. Pareil. Alors, je me demande, et c'est là où intervient ma question, est-ce que justement, il n'y a pas derrière ça ? Parce que quand même, au bout de plus de 40 ans d'expérimentation, on obtient quasiment le même résultat à chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas là, quand même, derrière ça, une volonté clairement affichée de nous conditionner ? Moi, j'appelle ça, là, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est mon avis personnel, c'est du conditionnement. Est-ce que c'est pas une coïncidence que depuis 40 ans, on a exactement le même résultat d'une expérience, et quelque part, il y a une volonté que les choses aillent dans un tel ou tel sens. Qu'est-ce que tu en penses ? Ma réponse va te surprendre, mais ma réponse sera une question. Qui conditionne qui ? Ah. Attends, là, ça mérite un jingle. Ça mérite un autre jingle. Damn! Eh oui, les amis. Qui contrôle qui ? Qui lave qui le cerveau de qui ? Qui conditionne ? Tout à fait. Parce que je fais un petit rappel. Je repeins toujours du côté de l'esclavage parce qu'en fait, ce sont des comportements appris qui sont hérités et qui ont une continuité pas linéaire, hein, je précise toujours, mais en même temps, les silences et les non-dits participent à la transmission. Même le fait de ne pas parler participe à la transmission. Mais en fait, quand on reprend les discours de type de Willie Lynch, qui disait bien qu'il fallait monter le vieux contre le jeune, celui du nord contre celui du sud, celui qui est comme ci, comme ça, voilà, donc vraiment nous séparer en fonction de certains critères. Au début, qui le faisait ? C'était eux-mêmes. Mais après ça, qui le faisait ? C'était nous-mêmes. Et c'est pour ça que je parle du fait de comprendre les choses et d'apprendre, de savoir depuis le début, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on fait maintenant par nous-mêmes, qu'on intègre à l'intérieur des enfants par nous-mêmes, pour reprendre cette expérience. Qui a conditionné ces enfants ? Évidemment que les médias aident. C'est sûr que de voir des publicités de femmes comme ça, blanches, les cheveux comme ça, ça n'aide pas. Mais même avec ça, un parent peut poser des mots et un discours salvateur. Mais si vous ne posez pas des mots, et pire encore, si vous êtes d'accord, si vous véhiculez, si vous êtes l'agent qui véhicule l'intériorisation de cette infériorité, parce que j'ai bien dit qu'il y a eu plein d'esclavages différents, et l'esclavage n'était pas le même dans les plantations, mais il y a un noyau dur commun, c'est l'intériorisation de cette infériorité. On transmet depuis tellement longtemps et c'est vraiment à nous de déconstruire ça, de pouvoir dire aux enfants, mais tu es beau, tu es belle. Quand on élève un enfant en lui disant, oh là là, j'en ai marre, il fait noir, noir comme la misère, noir comme tout ça. Tous ces mots qui semblent anodins parce qu'en fait ce sont des expressions socialement admises, mais non. Même à ce niveau-là, ça participe au manque d'estime de soi de l'enfant. Quand on lui dit que dès que c'est noir, c'est pas bon, et on l'appelle noir, c'est pas bon du tout. Donc on participe activement au conditionnement des enfants. D'ailleurs, Mohamed Ali en parlait dans sa jeunesse de ça. Pardonne-moi de te couper, mais Mohamed Ali en parlait, Malcolm X en parlait. Du coup, j'anticipe, mais ça répond déjà en partie à la question que je vois de Philomène qui dit « Est-ce que nous, parents, nous ne sommes pas fautifs ?» On participe quand même des fois à le savoir, si je comprends bien. Alors, fautif, je n'aime pas ce mot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on ne sait pas quelque chose, on ne le sait pas. C'est tout.
Vous ne pouvez pas faire quelque chose quand vous n'avez que ça comme arme, d'où le fait de savoir. Ne soyons plus inconsciemment en train d'amener nos enfants à se détester. Un enfant, quand il naît, même avec ce fameux ADN, même avec ses messages dans l'ADN, quand il naît, il n'a que son estime de lui-même. Il n'a que ça. Donc, apprenons nous-mêmes à augmenter notre estime de nous pour ne pas parler de nous non plus, parce que vous, parents, vous êtes des reflets pour l'enfant. On parle bien de l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire que l'enfant apprend par l'exemple. Donc, si vous ne vous aimez pas, vous pourrez parler, dire ce que vous voulez, ça ne va pas marcher. Donc, commencez par vous aimer. Vraiment, pas un amour de façade, mais vraiment un amour véritable. Aimez-vous. Parlez de vous bien, de votre famille bien. Parlez de votre communauté avec des mots qui la valorisent, qui l'élèvent. Apprenez à votre enfant qu'il existe des héros. C'est pour ça que je les citais tout à l'heure là, parce qu'on a plein de héros. Il n'y a pas que Spider-Man, Hulk et trucs comme ça là. Il n'y a pas que ça. On a des vrais héros, parce que Hulk et compagnie, ce sont des fictions. Nous, on a des héros qui ont existé. Donc, c'est tout cela qu'on doit transmettre à l'enfant. Mais il faut le savoir, il faut connaître l'histoire, parce qu'en fait, ce qui fait que Hulk, Spider-Man et compagnie sont faciles à retenir, c'est parce qu'ils sont voyants, très colorés, et leur histoire est simple. Un homme qui tisse des toiles, et piou, ça a l'air génial. Et si on faisait la même chose avec nos héros, trouver des manières de raconter l'histoire de nos héros de manière ludique et qui fasse envie. Et je précise, vous avez plein de livres qui font déjà ça. Hein? Donc, si vous n'y arrivez pas vous-même, offrez à votre enfant des livres du soir qui racontent ces histoires-là. Par exemple, vous avez... Attendez, il faudrait que j'aille dans la chambre de mon fils. C'est « Little One ». En tout cas, c'est un livre mince, il faudrait que je retourne leur visage ou dans la chambre de mon fils, mais c'est Little One, ça commence par Little One, et en fait l'auteur cite plein de livres d'auteurs de personnes qui ont fait de très belles choses. Par exemple, à un moment elle dit Raise Your Voice like Langton Hughes. Donc, en fait, ça dit, et donc, élève ta voix, donc, fais-toi entendre, donne ton point de vue comme Langton Hughes, qui a, lui, élevé sa voix pour parler des communautés noires. Donc, si vous n'y arrivez pas vous-même, achetez des livres qui en parlent et lisez juste. Ça me rappelle, justement, tu as évoqué Spider-Man. Je tiens simplement aussi à rappeler aux mes chers amis que Spider-Man, le personnage de Spider-Man, est inspiré, je vais dire inspiré, hein, je vais le dire comme ça pour ne pas être grossier, il est inspiré du dieu africain Anansi. On retrouve le personnage Anansi un peu partout. D'ailleurs, la culture africaine a été transportée aussi avec l'esclavage, et on retrouve le même personnage Anansi dans les Antilles anglophones en particulier, et on le retrouve, je crois, aussi au Brésil, si ma mémoire est bonne. Anansi est un dieu qui a le pouvoir, qui est souvent présenté soit comme un homme, soit comme une araignée, soit mi-homme, mi-araignée, et qui aurait des pouvoirs extraordinaires, etc. Anansi. Et d'ailleurs, en patois, en créole jamaïcain, comment on dit araignée? On dit justement Anansi. Donc vous voyez, les traces africaines se retrouvent partout, plus qu'on ne le croit. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. J'ai vu ici, tiens, Négritude, Black Power, mon cher Jay, je te salue, merci d'être venu. Jumbo Jumbo, merci d'être là. Jay, oui. Tu as ici Afro Tao qui dit la première fois qu'elle a vu ce reportage, ça l'avait choqué, c'est-à-dire l'expérience des enfants. Et oui, hein, vous voyez, ça a été fait dans les années 80, ça a été recommencé dans les années 2000, et on a à chaque fois le même résultat. Donc les amis, il vous appartient justement d'apporter cette culture, cette éducation surtout à vos enfants, afin de pouvoir apporter un changement drastique dans les comportements pour justement éviter ça, entre autres. Alors, on va se faire une toute petite pause, les amis. Ceux qui ont envie d'aller se soulager quelques instants, allez-y. On se retrouve juste après notre petit jingle. Évidemment, comme la disposition a changé, je suis un peu perdu, mais on se retrouve juste après ça.
De retour sur The African Chronicle, toujours en direct avec notre invitée Laura L'Aventure, psychologue. Et je vous invite, les amis, n'oubliez pas, rendez une visite à notre amie Laura L'Aventure sur son site www.laura.l'aventure.com. Et aussi, vous la retrouverez sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Alors, on continue notre très intéressante conversation sur l'état d'esprit. Comment on fait pour... Alors justement, moi, la question que je voulais te poser, on a fait un constat intéressant. On sait qu'il y a différents malaises liés à notre histoire douloureuse, en tout cas une partie de cette histoire, parce que notre histoire ne se limite pas qu'à ça, c'est vrai. Mais lorsque maintenant, au-delà de cette histoire douloureuse, qu'on a simplement un malaise, un mal-être, comment on fait Parce que c'est pas facile de dire « ça va pas ». Parce qu'il y a souvent le regard des autres, on n'ose pas, on se sent gêné, surtout quand on vit dans un pays où il y a des infrastructures dignes de ce nom, il y a l'électricité, l'eau courante, on dit bon, en plus j'ai un métier, en plus admettons j'ai un métier qui paye bien, et comment ça tu as l'outrecuidance de dire que ça ne va pas, mais de quoi tu te plains? J'ai l'impression qu'on a aussi un peu peur de la réaction des autres, du regard des autres, donc du coup on n'ose pas dire. Comment on essaie justement de briser ce silence une bonne fois pour toutes? On l'a évoqué tout à l'heure, comment on fait pour... Quelles seraient une ou deux astuces pour aider, en tout cas, à faire tomber le silence, de ton point de vue? Alors, juste une chose hein, pour finir, parce que oui, j'ai profité de la pause pour aller la chercher. Je ne sais pas si on voit bien. Ouais. Ah oui, comme ça. Oh, pardon, comme ça. Donc, c'est Vashti Harrison, parce que je vois, il y a une question suivante. Donc, comment on fait pour rivaliser avec Hollywood? Ben, vous avez plein d'abolis. Et aussi des animés. Donc, vous voyez, hein, ce sont bien des personnages noirs avec James Baldwin, André Léon Taylor, Aaron Douglas, Gordon Parks. Donc, voilà. Vous avez de très belles choses qui rivalisent avec Hollywood. Vous avez des bandes dessinées aussi. Il y a L'Orion, A-U-R-I-O-N, tout simplement. Vous pouvez chercher sur Google, vous aurez, c'est une bande dessinée. Qui parle d'un héros africain qui est devenu roi à la mort de son père et que son beau-frère vient défier pour récupérer le trône. Et on parle de spiritualité à l'intérieur. Enfin, c'est très intéressant comme bande dessinée. Vous avez aussi bien plein d'animés. Il y a de plus en plus de très grands artistes qui font des animés et qui font de très 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 belles choses. Vous avez des animés pour les adultes aussi qui sont très marrants. Il faut simplement aller trouver ces ressources. J'y ai pas pensé, mais j'enverrai à Chango des différents liens avec ce livre que je vous ai déjà amené. J'aurais pu amener les autres, mais je n'ai pas voulu que mon fils me voie, sinon il allait me suivre. Mais voilà. Donc les amis, vous avez entendu le message, éducation. Aujourd'hui, nous avons des outils, il n'y en avait pas, il y en avait beaucoup moins il y a 30-40 ans, mais aujourd'hui, il y en a. D'ailleurs, si vous voulez avoir une partie de ces outils, venez voir Tonton Chango dans ses lives. Il s'est fait un plaisir d'inviter des gens justement qui travaillent dans ce sens. Je peux citer effectivement, rappelez-vous de Frika Kids, cette chaîne YouTube destinée aux enfants africains, ou encore Little Africans, qui a une maison d'édition qui publie des livres pour enfants africains, ou encore, je salue les deux copains de L'Ascamite, un manga, là on s'adresse plutôt aux adolescents et aux adultes, pas trop pour les enfants, The Last Kamit, hein, les gars, d'ailleurs, j'attends avec impatience le numéro 2, les gars. C'est pas que je vous mets de la pression, je ne me permettrai pas, mais j'attends le tome numéro 2. Voilà. Bon. Donc, voyez-vous, là, il existe des outils maintenant, donc il vous appartient, les amis, les aînés, les anciens, d'utiliser ces outils à bon escient vis-à-vis de vos chérubins, de votre belle tête crépue. Quoique, il paraît, je ne peux plus dire crépue parce que la dernière fois, j'ai invité un cheveutologue, il a dit non, crépue, ce n'est pas un mot intéressant. Donc, on va dire les cheveux afro. Voilà. Et le cheveutologue en question, c'est Sibène Thaume, que je salue. Ça a été un plaisir de le recevoir. Mon ami, tu sais que tu fais partie de la famille, toi aussi. Tu reviens quand tu veux. Alors, je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. Oui, j'ai vu la question de Caro Mama, qui a dit tout à l'heure, elle dit « Je trouve très intéressant de montrer notre culture à nos enfants. Comment rivaliser avec Hollywood ?» La réponse, on vient de la donner en partie. Mais aussi, j'ai vu une réponse de la part de Jaï.
qui dit bah, pourquoi rivaliser avec Hollywood ? Ne regardez pas Hollywood. Oui, c'est plus simple. C'est vrai que, en gros, si vous pouvez éviter la télévision, et c'est ce que mes parents avaient essayé de me faire comprendre, mais c'était trop tard. Le loup était déjà dans la bergerie quand j'étais enfant. Donc, dire à un enfant, tes dessins animés, tu ne les regardes plus, ça ne marche pas. Alors, à défaut, c'était de réduire au maximum le temps passé devant la télé et augmenter au maximum le temps passé dans des livres ou dans d'autres activités où on est en contact avec des gens qui vous ressemblent. Donc, les amis... Et puis, si il y a aussi des dessins animés afro. Hein. Par exemple, pour mon fils, il n'y a pas droit. C'est comme ça. Je fais la dictature. Et ça peut être un point de vue. Hein, simplement, vous expliquez à l'enfant, quel que soit là où il en est avec la télé, vous expliquez que non. Déjà, il n'y a pas de télé à la maison. Donc, comment tu vas allumer la télé ? Et voilà. Il n'y a pas de télé. Donc, voilà, il n'y en a pas. Et si vraiment vous avez envie à un moment bah, que l'enfant il voit d'autres choses, c'est-à-dire que bah, vous avez déjà introduit la télé et vous voulez des équivalents, bah, il y en a. Par exemple, pour les tout petits, c'est vrai que j'ai un tout petit à la maison, je sais, quand je mets quelque chose, c'est vraiment ça. Quand je dis je mets quelque chose, je mets le son, je ne mets pas l'image sur mon téléphone qui est tout en haut, donc il n'y a pas moyen d'accéder. Mais vous avez des choses qui sont éducatives comme Akili, c'est une chaîne YouTube aussi, ça s'écrit A-K-I-L-I, tout simplement Akili, qui peut apprendre à votre enfant l'anglais, le swahili, à compter, voilà. Donc si vraiment vous voulez trouver des équivalents mais qui soient éducatifs, vous en avez qui sont éducatifs et qui sont afro-descendants. Et il y a donc les livres que tu citais, il y a aussi Ngo, l'esprit du léopard, il me semble qu'il a été mis en animé, j'ai un doute là-dessus, mais sinon cet illustrateur a aussi des personnes de la communauté qui font des animés afro. Donc voilà, vraiment trouver des équivalents s'il y a déjà eu introduction de la télé, puis si vous pouvez la télé, c'est pas une obligation. Effectivement. Voilà. Ah, bien dit, la télé n'est pas une obligation. Je vois, il y a une bonne remarque fait Caro Mama ici. Elle dit, pour les adultes, c'est la même chose. On parle souvent de culture, tradition, mais dans la vie, ils veulent tous du Louis Vuitton, Gucci, etc. Je dois lui reconnaître ça, parce que c'est vrai qu'il y a cette contradiction chez nous. Pour certains d'entre nous, en tout cas, pas tout le monde n'est pas comme ça, mais quand même, il est bon de le souligner, de le remarquer, parce que c'est vrai, on dit, oui, la culture, c'est important, mais je vais enrichir Louis Vuitton et Gucci, qui coûtent super cher, et puis en plus, qui ont des fois eu, paraît-il, ont eu des propos peu plaisants nous concernant. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Comment on fait pour... qu'est-ce qu'on fait ? Cette espèce d'ambivalence, cette contradiction dans le comportement, on dit il faut, mais on ne pratique pas ce qu'il faut faire. C'est quand même bizarre. Après, bah, qui sont ces personnes qui portent Louis Vuitton et Gucci ? Et dans quelle intention est-ce ? Parce que certaines personnes, c'est par simplement un mimétisme. Bon, ben, j'ai vu tout le monde porter Louis Vuitton, Gucci... pour être frais, pour être sapé. Il y en a d'autres, c'est pour avoir des marques de richesse, pour se sentir un petit peu plus riche, pour sortir de la pauvreté. En sachant que je précise, la pauvreté n'est pas notre état naturel. C'est pas quelque chose qui est naturellement présent dans notre communauté. Bien au contraire, quand les colons sont venus, on était extrêmement riches, on était parés d'or et des plus beaux tissus. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est naturel chez nous d'être pauvre ou même de faire partie de la classe moyenne, hein, je précise. Donc, peut-être que c'est une manière aussi d'afficher des signes de richesse à défaut d'en avoir, mais dans ce cas, moi, je vous dis, vous prenez Louis Vuitton, vous prenez le budget, Louis Vuitton, Gucci, tout ça, vous prenez ce budget-là et vous ouvrez une entreprise. Vous faites réellement de l'argent et vous allez vous sentir riche, ouais, tout simplement. Vraiment, j'invite toutes les personnes qui ont envie d'afficher des signes de richesse d'afficher la richesse sur leur compte bancaire, en fait, tout simplement. Évidemment, c'est facile à faire comme ça, mais il y a des coachs, il y a plein de belles personnes que je peux vous présenter qui vous accompagneront pour développer vos propres revenus passifs, que ça soit, pourquoi pas, dans l'immobilier ou quel que soit le domaine qui vous vient. Moi, c'est l'immobilier qui me vient parce que c'est un domaine que j'aime beaucoup. Mais si vraiment vous avez envie d'afficher de la richesse, affichez-la réellement, faites réellement ce qu'il faut pour avoir la richesse affichée, pas juste être capable de mettre votre salaire dans un sac et puis en fait
le sac est vide, en fait. Je préfère encore avoir un sac de marché avec les 3000 euros dedans qu'avoir un sac... Et bon, voilà, une fois que c'est sorti du magasin, ça vaut déjà moins 40%. Donc, c'est pas... Justement, pour rebondir là-dessus, les amis, puisque... Si vous voulez absolument le Louis Vuitton, moi, je vous propose autre chose. Au lieu d'acheter le sac Louis Vuitton, achetez les actions Louis Vuitton. Oui. Pensez-y. Voilà, je dis ça, je dis rien, pensez-y. On va continuer. Je vois, oui, mon cher Christian, salut à toi. Bonjour, bonjour. Alors, il y a une question de Nicky Larson, mais il va falloir qu'on soit un petit peu plus précis parce que ça peut, comment dirais-je, porter à confusion. Parce qu'il dit ici, et les traîtres à notre peuple, comment on fait ? Sont-ils récupérables ? Il faudrait déjà définir qu'est-ce qu'un traître ? Comment définit-on le traître ? Parce que dire traître, c'est facile à dire, mais c'est, par là, c'est, comment définit-on le traître ? Par rapport à quoi ? Par rapport à un courant de pensée, ligne de pensée ? Je rappelle que dans le panafricanisme, et vous le savez, hein, je suis un panafricaniste convaincu, je ne l'ai jamais caché, je suis d'ailleurs, je le revendique, je suis plutôt de la ligne Garvey, je suis un garveyiste, personnellement. Alors, est-ce que si vous, vous êtes plutôt dans la lignée Booker T. Washington ou encore Dubois, Webb Dubois, ça fait de vous un traître ? Non, ça fait que vous n'avez pas tout à fait la même lignée, la même ligne de pensée que moi, mais ça ne fait pas de vous un traître. Alors, la question, est-ce que tu veux bien, mon cher Nicky, préciser qu'est-ce que tu entends par là par traître ? Parce que tu sais, c'est assez vague. Précise ta pensée, mon cher Nicky, et reviens avec ta question si tu veux bien. Et j'ai ici... Monsieur Christian. Super chat. Merci à toi qui nous dit merci à toi, Shango, pour tout ce que tu fais dans la communauté. C'est un plaisir, un honneur de t'appeler grand frère. Merci de nous pousser à lire et à nous instruire. Merci parce que tu nous permets de découvrir nos intellectuels entrepreneurs. Écoute, mon cher ami, ça me fait grand plaisir. Si j'ai pu inciter au moins une personne dans toute une vie à lire et à s'instruire, mon devoir est fait. Et j'essaye d'appliquer du mieux que je peux ce que disait justement cette personne. Je fais mon devoir ou je trahis la cause. Et j'ai décidé de servir la communauté du mieux que je pouvais. Donc, merci à toi, mon cher frère. Si ce que je fais t'aide et aide les autres, bah, écoute, merci à toi, ça me fait un grand plaisir. Les amis, n'hésitez pas à poser vos questions. Nicky, reviens, hein, s'il te plaît. Je n'ai pas oublié Nicky, hein, reviens, mais ce serait bien que tu nous précises un peu plus que ce que tu entends par là en disant traître. Et les amis, n'hésitez pas, venez poser vos questions à Nina et qu'on va continuer notre conversation. Ah, il nous revient, il dit... Alors, dans la bouche de Nicky, lui, il pense qu'un traître, c'est ceux qui ont notre couleur, mais qui vont contre nos intérêts. Ouais, ok, c'est un petit peu plus clair. Oui, bon, je crois comprendre où tu veux en venir. Comment toi, tu vois ça en tant que... Là, on est dans le domaine de la psychologie, la psychiatrie, la psychothérapie. Comment toi, tu vois ça, toi, Laura ? Effectivement, on ne va pas donner de nom, mais on a des présidents dans le passé ou même actuellement qui n'ont pas tellement servi nos intérêts. Est-ce qu'il y a un problème psychiatrique derrière ou c'est plus compliqué que ça ? Alors, nous sommes dans une société de plus en plus allant vers le soi, l'entre-soi, voire soi tout court. Il faut savoir qu'une société qui n'est pas en capacité de protéger les siens est une société qui commence à dépérir, en fait. C'est-à-dire qu'on perd l'essence de la communauté. Évidemment, je ne vous apprends rien quand je dis ça, puisqu'on en a parlé au début du live, qu'il y a plein de choses qui font ben, qu'on... Ah oui, pardon, je lis les commentaires en même temps. Il y a plein de choses qui font ben, qu'on prend plus soin de nous en tant que communauté. Il y a plein de choses qui ont amené à des séparations, des comportements héritier ou inspiré de Willy Lynch, le fait que nous-mêmes, on soit dorénavant des instruments de nos propres séparations, de la perte d'estime de soi, de nos générations, tout cela fait bien qu'on agit de manière tout à fait contre-productive, pas du tout constructive, je dirais même de manière antisociale par rapport à notre communauté, et par rapport à nos relations de manière générale. Une personne qui ne va pas dans l'intérêt de sa communauté, est-ce que c'est quelqu'un qui s'identifie comme appartenant à sa propre communauté ? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait passer son intérêt propre,
son individualité avant l'ensemble, avant la communauté. Très certainement. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un rapport à sa communauté particulier, c'est-à-dire qu'on peut avoir des rapports instrumentalisés par rapport aux autres, c'est-à-dire que l'autre est l'instrument de vos besoins, de vos désirs, et non pas comme participant à votre univers, à votre environnement social. Donc, tout dépend comment on considère l'autre. Je ne citerai personne, je ne cite toujours personne, mais il est évident qu'à un moment, il a été beaucoup plus important de s'occuper de ses propres intérêts avant de s'occuper des intérêts de sa communauté ou d'un peuple ou de toute personne qu'on pourrait identifier comme faisant partie de sa communauté de départ. Donc moi, je pense que c'est parce qu'il y a vraiment une identification qui n'est pas faite. Imaginons qu'une personne devienne soudainement riche et que la personne n'imaginait pas du tout à un moment pouvoir s'en sortir financièrement. Et le fait d'être soudainement riche peut faire que cette personne n'ait envie que d'être qu'avec des personnes qui sont riches pour éviter l'angoisse que de perdre sa richesse. D'ailleurs, c'est il me semble Robert Kiyosaki qui disait que les pauvres ont envie d'être riches, mais les riches ont peur d'être pauvres. Donc, ça peut être ça, en fait, que la personne ne veuille pas du tout fréquenter des gens qui lui ressemblent par rapport à des angoisses, par peur d'être comme X, Y, Z personne. Ça peut être effrayant que d'avoir à affronter les problèmes de sa communauté, les véritables besoins de sa communauté. Donc, aller s'identifier à d'autres personnes peut résoudre cela, peut résoudre la question de « mais qu'est-ce que je fais pour moi, en fait ? Qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi ?» Et après, ben, la communauté, si elle gagne, tant mieux. Si elle n'y gagne pas, ben, ça fait partie des conséquences. Voilà. Après, j'ai vu un moment récupérable, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça, j'ai vu ça un petit peu plus haut. Est-ce qu'ils sont récupérables? Mais pourquoi devrions-nous récupérer des personnes qui ne sont pas positives pour notre communauté? Voilà. Ah, je suis content que ce soit toi qui le dise, parce que, bon, pardon. Non, mais oui, on peut faire avec très peu de personnes un village, hein. Il n'y a vraiment pas besoin de grand monde. Je crois que c'est bien Tshikanta Diop qui disait qu'on ne pourra pas récupérer tout le monde. Voilà. Et ce n'est pas une nécessité, en fait. Ils n'en veulent pas. Pourquoi forcerait-on des gens à revenir à la conscience de qui ils sont, à la nature de qui ils sont? Ça ne les intéresse pas. On ne peut pas forcer quelqu'un. Aussi, d'ailleurs. Oui. On ne peut pas du tout forcer quelqu'un. Si vous forcez quelqu'un, c'est vous qui devenez le bourreau à partir de ce moment-là. Donc, il faut que la personne vienne délibérément de par sa propre volonté. Autrement, bien, on fait avec ceux qui sont d'accord, tout simplement. Et même quand quelqu'un n'est pas conscient des choses, si la personne a la volonté d'apprendre, ben, elle est déjà plus récupérable que quelqu'un qui ne veut pas. J'aimerais qu'on parle maintenant, là on a fait un très bon sujet sur les diagnostics, on a vu un petit peu quelles sont les causes différentes possibles de notre état d'esprit, de notre mal-être, il y a le côté historique, il y a les agressions du quotidien que j'ai nommées en début d'émission. Je renvoie encore une fois à ce livre « Black Like Me » de John Howard Griffin, « Dans la peau d'un noir ». Qu'est-ce que c'est que d'être noir et de vivre le quotidien d'un noir, c'est très, très intéressant. Vous verrez que les choses n'ont pas tellement changé. Mais lisez ce livre, il est vraiment intéressant. Et j'aimerais bien qu'on discute un peu maintenant solution, possibilité de solution, prévention. Comment, par exemple, et d'ailleurs, les amis, voilà, je vous invite, si vous voulez, on va ouvrir la ligne. Et j'aimerais, alors évidemment, avant toute chose, je tiens à le signaler, il n'est pas question ici que vous racontiez vos peines personnelles. J'ai trop de respect pour votre vie privée, ça concerne vous uniquement et le professionnel dans l'intimité et la plus totale. Il n'est pas question de vous poser des questions intimes et privées, c'est hors de question. Par contre, ce que j'aimerais savoir de votre part, si vous,
vous avez pu, vous connaissez quelqu'un qui a pu détecter des signes de mal-être, ça serait bien de venir partager ça avec nous, parce que ça pourrait peut-être, pardon, aider quelqu'un dans une situation similaire. Vous le savez, ici, il n'y a pas de mauvaises questions ou de mauvais choix. On est ici pour apprendre, comprendre, échanger, partager. Je le dis tout le temps, ici, on pratique l'Ubuntu intellectuel. Donc, si vous, dans les amis, vous connaissez, vous avez vécu une expérience, vous avez vu, vous avez ressenti quelque chose, vous avez détecté un malaise, est-ce que vous avez des techniques, des attitudes, bref, tout ce qui peut aider justement à percevoir ça. Parce que, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais... Dans mon entourage, proche ou moins proche, des fois, on ne se rend même pas compte. Il y a quelqu'un qui est juste à côté de vous, qui a un profond malaise, on ne s'en rend même pas compte. Et des fois, on s'en rend compte, c'est déjà soit très tard, voire trop tard. Donc, n'hésitez pas, les amis, si vous voulez venir partager avec nous vos expériences. Je vais ouvrir, donnez-moi 30 secondes. Je vais ouvrir la ligne. Et puis, pour éviter qu'il y ait trop de trous, Je vais une petite pause. Si je peux me permettre, j'ai fait un raccourci langagier. Si je peux me permettre, Tchango, il y a Jaï qui dit quelque chose de très intéressant, je trouve, qu'il ne faut pas stigmatiser les nôtres. Parce qu'en fait, comme je disais un petit peu plus tôt, quand on parle à un enfant de sa propre communauté, c'est important de dire des mots qui sont constructifs pour lui. Et si on lui dit, ben en fait, il y a des noirs, ce sont des traîtres, pourquoi pas faire le raccourci dans sa tête? Quand on est noir, on est un traître. Donc, il faut faire attention quand on utilise certains mots, surtout des mots comme traître, parce qu'en fait, il y a toujours quelqu'un qui vous entend, que ce soit votre propre enfant ou l'enfant de quelqu'un. Donc, soyez des instruments qui participent à la beauté de votre communauté. Aucune communauté n'est parfaite, hein, mais j'ai jamais entendu, je vais pas citer de communauté, j'ai pas envie de ça, mais en tout cas, dans certaines communautés, pas dans toutes, il est interdit de parler mal de son frère ou de sa sœur. C'est une interdiction. Donc, il faut vraiment qu'on puisse être les instruments de l'élévation de notre communauté, d'abord avec le verbe, avec ce qu'on a à dire. Donc, je te remercie beaucoup, Jaï, pour cet apport. C'est important, évidemment, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne construisent pas notre communauté, qui participent bien au contraire à ce que ça aille mal. C'est important à savoir. Mais le fait de parler d'eux et d'utiliser des mots comme traître, ça ne participe pas à ce que quelqu'un à l'extérieur qui vous entende s'estime, et d'abord vous aussi, parce qu'en fait, cette personne que vous appelez traître vous ressemble. Et c'est ça aussi qui fait que l'estime de soi, elle est bonne ou pas, c'est qu'en fait, même quand on parle de personnes qui nous ressemblent, on en parle autant que faire se peut, d'une manière qui nous construit aussi. Tant que vous avez la possibilité de vous identifier à quelqu'un, tentez d'en parler de la plus belle des manières. C'est un cadeau que vous vous faites d'abord. Merci pour cette précision. Et je tiens aussi à rajouter quelque chose qu'on a peut-être aussi oublié. Pour ceux qui sont très intéressés par l'Égypte antique, entre autres, on parle de la maat. Vous savez, la maat, justice, vérité, équilibre, etc. On parle aussi de Medunecher, la parole divine, parce qu'on a la possibilité, en tout cas le créateur, crée rien qu'avec sa voix, avec les vibrations qui sont émises de sa voix. Pour rebondir sur ce que vient de dire Jaï et Laura à l'instant, pour juste aller dans le prolongement, faites attention à ce que vous dites, parce que les paroles que vous émettez, les vibrations que vous émettez, ont un impact positif ou négatif. Exemple concret, vous êtes en relation avec quelqu'un, et vous passez votre temps à insulter cette personne, à la rabaisser, à la dénigrer. Aujourd'hui, on appelle ça du harcèlement moral. Pourtant, vous n'avez jamais levé la main sur cette personne, vous ne l'avez jamais frappé, mais les mots ont un impact sur les gens, qu'ils soient positifs ou négatifs. Quand vous insultez quelqu'un tout le temps, vous dénigrez cette personne, ça a un impact négatif sur sa propre personne, sur sa confiance en elle, etc. etc. À contrario, vous faites l'inverse, vous dites des choses positives à cette personne, vous l'encouragez dans ses démarches, quelles qu'elles soient. Vous dites des choses positives tout le temps. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Plutôt positif. Vous allez renforcer justement la confiance en cette personne. Vous allez l'encourager. Elle va s'en sentir dans sa tête beaucoup mieux. Donc vous voyez l'importance et la puissance des mots que nous utilisons.
Donc, merci pour avoir apporté cette précision, Laura. Et Jaï, merci pour la précision et la pertinence. Alors, Niki, oui, ne t'inquiète pas, Niki, ici, on n'attaque personne. Il n'y a pas de problème. J'affiche ton commentaire. On n'attaque pas ici, tu le sais, il n'y a pas de problème. On n'attaque pas du tout, du tout. C'est pas une attaque. D'ailleurs, je te dirais merci pour cette question. Elle est importante parce que toi, tu as osé la dire. Il y a beaucoup de personnes qui la pensent, c'est tout, et qui la gardent à l'intérieur d'eux-mêmes et qui se contentent de penser, ah ben tiens, celui-là, c'est un trait. Le dire, c'est quelque chose. Le penser, c'est aussi quelque chose. Parce qu'en fait, ce n'est pas le fait de dire à haute voix qui compte. C'est le fait de le penser aussi. Mais quand vous le pensez, c'est vraiment vous que ça empoisonne. Donc, c'est important de dire ce genre de choses à haute voix pour qu'on puisse, autant que faire se peut, ben, en parler, déconstruire et commencer à construire d'autres choses qu'un univers désagréable à voir. D'ailleurs, si je peux me permettre, Shango, il y a une question là d'Afro Tao qui est très intéressante. Juste une petite remarque juste avant. Oui. Donc, Niki, tu t'inquiètes pas, ici, on pose des questions parce que je l'ai dit, je le répéterai toujours dans cette émission. On est là pour apprendre, pour comprendre, pour échanger, pour partager. On n'est pas là, on ne connaît pas tous la vérité. On est là justement pour s'éveiller les uns les autres. Donc, il n'y a aucun problème, mon cher Niki. Tu peux poser les questions, il n'y a aucun problème. Effectivement, je vois la question de Tao, je l'affiche tout de suite. Afro-Tao, pardon, si on part du principe que nos pensées créent notre réalité et nos émotions, comment faire pour focaliser nos pensées sur ce que nous voulons, par exemple, plus de justice, respect, égalité, etc. Très, très bonne question, Afro-Tao. Je te repris, ma chère Nina, je te laisse répondre. Oui, mais pourquoi je trouve que cette question est très intéressante? Parce qu'en fait, Afro-Tao, toi, tu as une position d'observatrice. Oui, tu es une femme, une jolie photo d'ailleurs. Donc, ce que tu mets là, c'est en tant qu'observatrice, c'est-à-dire que tu vois le monde et tu l'observes. Dans ce monde, ben, tu vois une absence de justice, une absence de respect, une absence d'égalité, puisque tu cites tout ça. Tu vois ces choses-là. Et l'objectif n'est pas d'être des observateurs, puisqu'on sait déjà qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas dans ce que l'on voit. Donc, notre rôle n'est pas d'être des observateurs, mais d'être des visionnaires. On a énormément de nos intellectuels qui sont et qui étaient des visionnaires. Frantz Fanon est un visionnaire. Il a laissé les clés pour qu'on puisse prendre soin de notre communauté jusqu'à présent. Lire Frantz Fanon en 2021, c'est toujours pertinent parce que c'est un visionnaire. Et c'est ce qu'on doit être. Même si vous voyez une absence d'égalité, mais soyez des visionnaires. Quelle est la situation dans laquelle vous verriez plus d'égalité, plus de respect? Qu'est-ce que vous voulez voir? Que chacun d'entre nous ait cet élan-là, en fait, de se dire, mais en fait, soyons des visionnaires. Et j'ai mis un t-shirt, c'est dommage, on ne le voit pas. J'ai fait ça exprès, on ne voit rien du tout. Ça se voit ou pas, là? Oui, là, on te voit, ah, oui. Oui, vous voyez? J'ai mis cet embout bel et exprès parce qu'en fait, dans une situation où l'horreur était présente, des esclaves ont été suffisamment visionnaires pour trouver une manière d'être ensemble et de créer, en fait, de créer des hymnes pour se faire du bien, pour se donner de la force, d'être créatif dans une situation d'horreur. Et il faut qu'on soit exactement comme eux, qu'on soit créatif même dans une situation de manque de respect, de tout ce que vous pouvez nommer dans le monde, tout ce que vous voyez qui ne vous plaît pas, soyez créatifs et découvrez des manières de vous sentir bien. C'est ça le visionnaire. L'observateur, il se sent bien quand ça va bien. Et quand ça ne va pas bien, eh bien, il empire la situation. Où il voit les choses de manière décuplée. En tout cas, il se sent mal quand ça va mal. Le visionnaire, lui, apprend à se sentir bien, quelles que soient les situations. Et donc, même dans cette situation où ça ne va pas, c'est à nous d'être créatifs. Par exemple, African Chronicle, c'est une manière d'être créatif, puisqu'en fait, c'est un espace de libre parole pour tous les questionnements que vous avez sur la santé mentale, par exemple aujourd'hui, sur le cheveu la dernière fois. Donc ça, c'est une manière d'être créatif. Et d'ailleurs, bravo à toi, Shango,
puisque c'est Merci. toi qui as créé African Chronicle. J'espère que ça répond à ta question, mon cher Niki. Et je le rappelle évidemment ici, hein, on ne s'attaque pas, c'était juste une réponse à ta question, mon cher Niki. C'était la question d'Afro-Tao, je Ah, pardon, précise. d'Afro-Tao. Merci Afro-Tao pour poser cette question. Tu as raison, c'est vrai que. En fait, tout ça pour dire que le comportement humain, c'est quelque chose de très compliqué au final. Je me rends compte en fait en. Et tiens, d'ailleurs, j'avais une question à te poser par rapport à ton métier en tant que tel, parce que. Tu dois faire preuve d'un minimum d'empathie, puisque tu as dit que tout à l'heure, il faut être à l'écoute. C'est le temps de faire une pause, peut-être? Juste 5 minutes, si Il c'est possible. n'y Deux a aucun minutes. problème. Aucun problème. Vas-y, vas-y. On fait une petite pause, on revient Oui, juste j'ai après. entendu. Laura, si tu as besoin de. Oui, désolé, c'est mon fils. Je pense que sa patience a atteint des limites. Non, mais si tu as besoin d'un peu plus de temps, il n'y a aucun problème, on peut faire une pause. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, Je c'est l'ai ça. remis avec ça. Maman pour un jour, maman pour toujours. Ah, ça aussi, c'est une mission de vie, tiens. Alors, les amis, je vous ai mis. J'ai, comment dirais-je, je sais même plus, je connais même plus mon français. J'ai accroché le lien pour venir discuter en live si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à activer vos caméras, venez. Hein. Alors oui, comme je le disais tout à l'heure, j'ai un profond respect pour votre vie privée. Donc il n'est pas question pour moi de vous demander de dévoiler aucun secret. Il n'en est pas question. Votre vie privée est respectée et ici avec nous. Par contre, ce que je vous invite à faire, si vous connaissez ou si vous avez de votre point de vue quelques trucs, astuces, pour détecter des signes de mal-être auprès de votre entourage, venez partager. Ça peut servir à quelqu'un justement qui vit une expérience difficile. Donc, ou si vous voulez simplement faire des commentaires ou poser des questions à notre invité, n'hésitez surtout pas. Vous savez qu'ici, on est entre nous en famille, donc il n'y a aucun problème à sur cette question-là. On ne vous juge pas, on n'est pas dans un concours de bonté. Vous voyez, moi, il y a ma petite barbe bien grise que j'ai pas rasée par paresse, on va le dire. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, venez nous rendre visite. Vous êtes évidemment les bienvenus. Alors, j'ai la question que je voulais te poser, c'est que oui, dans ton métier, tu dois faire preuve d'écoute. J'allais dire ton arme, ton outil de travail, c'est ta capacité justement à écouter la personne qui te rend visite. C'est que je suppose aussi que tu dois faire preuve d'une certaine empathie. Tu peux pas non plus être comme un mur et puis l'autre parle et puis il se passe rien. Donc il y a cette empathie que tu dois avoir. Mais justement, comment on fait pour trouver l'équilibre? Comment fait-on pour avoir suffisamment d'empathie pour prendre en considération ce que dit ton patient, mais pas non plus avoir trop d'empathie et plonger carrément dans son mal-être. C'est compliqué, comment on fait? Ça, c'est la C'est première très partie de la compliqué. question. Et la deuxième partie, c'est que est-ce que les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes eux-mêmes sont suivis par d'autres pour être sûr que bon,
ça va, je ne suis pas trop noyé dans, par les émotions des autres. Comment est-ce que tu peux nous faire un peu les behind the scenes, comment on dit ? Est-ce que tu peux nous raconter tout ça ? Bien sûr. Alors, quand un patient vient me voir, évidemment, ce n'est pas toujours facile. Il y a des patients que je ne peux pas suivre, il y a des personnes que j'ai refusé de suivre. Par exemple, j'ai un monsieur qui est venu me voir et qui m'a raconté à la première consultation l'agression, l'une des agressions qu'il a fait subir à sa femme, et la dernière agression avec des attaques au couteau. Et cette femme, elle n'a pas porté plainte, elle n'a pas été à l'hôpital. Je ne sais pas comment elle a guéri, mais voilà. Et en fait, j'entendais ça et dans ma tête, je me disais « Mais qu'est-ce que je fais là ?» J'en pouvais plus. J'avais qu'une hâte, c'était que l'heure passe. Et c'est pas possible d'être bienveillant quand on est comme ça. Donc, il y a des gens qu'un psychologue ne peut pas suivre. Ce monsieur, je lui ai dit directement. Ah, bon, déjà, j'ai attendu qu'il sorte de mon cabinet. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais, vu bien ce bien. Que le monsieur me raconte. Mais après, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, non, là, ça ne va pas être possible. J'ai mis la faute sur moi. J'ai dit, je ne me sens pas en capacité de poursuivre votre thérapie. Je pense qu'il serait plus intéressant que vous ayez un consortium de professionnels, psychiatres, tout ça. Mais en gros, j'avais envie de dire, non, mais vous êtes dangereux. Enfin, ça ne va pas du tout. Je ne voulais pas du tout, du tout, du tout suivre ce monsieur-là. Oh, merci beaucoup. Ah, Africa Mat. Fio. Merci. Et du coup, oui, vraiment, je ne pouvais pas suivre ce patient. Donc, je l'ai orienté. Et je pense que tous les psychologues qui osent se l'avouer peuvent se rendre compte qu'il y a des gens qu'on ne peut pas suivre parce qu'ils nous énervent, parce qu'ils nous font horreur. Il y a des gens qu'on ne peut pas suivre. Mais par contre, quand on est en capacité de suivre un patient, il est important, soit aussi, d'être suivi. Parce qu'il peut arriver qu'on s'identifie trop. Il y a des patients qui sont adorables, franchement. Oh là là, la capacité à s'identifier au patient est tellement... Voilà. Donc, il y a vraiment ce qu'on peut appeler le contre-transfert, c'est-à-dire que le professionnel se voit à l'intérieur du patient. Et c'est important de travailler sur ça. C'est quelque chose qui peut être profitable au patient si et seulement si le professionnel travaille dessus. Que le patient projette sur le professionnel, ça c'est OK, ça fait partie des outils de travail, mais vraiment que les professionnels doivent faire attention à ce mouvement où bien, voilà, le patient nous inspire parfois un peu plus que le sentiment thérapeutique global, on s'identifie trop, ou alors le patient nous exaspère. Donc, un psychologue ne peut pas suivre tout le monde. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, par exemple, suivre la mère et suivre la fille en même temps. C'est hyper compliqué. J'ai déjà essayé parce que je me suis dit, mais quand même, ne sait-on jamais que j'arrive à jongler ? C'était compliqué. Et puis, j'oubliais, est-ce que c'est la mère qui m'a dit ça ? Est-ce que c'est la fille qui m'a dit ça ? Waouh ! C'était très compliqué. Donc, il y a des choses qu'un professionnel ne peut pas faire. Et c'est important de connaître ces limites-là. Donc, par exemple, c'est la fille, finalement, je l'ai gardée comme patiente et j'ai orienté la mère. Pourquoi j'ai choisi la fille plutôt que la mère, il faudrait que je rentre dans des détails qui sont de l'ordre du secret professionnel pour vous expliquer. Absolument. Mais en tout cas, j'ai orienté la personne que je pensais le plus facilement orientable et j'ai gardé l'une des deux. Et en fait, il y a des choses comme ça qui font qu'on ne peut pas suivre tout le monde. Par contre, on peut essayer d'orienter, de recommander. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé Maïna, que tu connais, je t'ai déjà vu en live, @maïna.fr pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. C'est un réseau de professionnels que je suis en train de créer pour les orienter. Donc, c'est important qu'un professionnel ait des personnes vers qui envoyer les patients qui ne peuvent pas suivre. Ce monsieur, par exemple, dont je parlais, qui a agressé sa femme, je l'ai orienté directement chez un psychiatre qui n'a jamais vu ce monsieur-là. Il n'a jamais été, vous imaginez. Donc, vraiment, c'est important. Ah oui, Njoko. Et c'est vraiment important de pouvoir repérer en soi, quand on est un professionnel, les personnes qu'on ne peut pas suivre. Donc, il y a nécessité d'être soi-même suivi. Donc, les psychologues ou un psy, qui a lui-même un psy, qui a un psy, qui a un psy. Voilà, c'est une grande chaîne de soutien
professionnel, en sachant que là, je parle de supervision, c'est-à-dire un professionnel qui va voir un autre professionnel pour sa pratique. Mais il est important aussi d'être suivi personnellement, parce que le psychologue, c'est un être humain. Absolument. On peut aussi avoir des difficultés, des choses à gérer, des imprévus, des décès, une rupture, quoi qu'il en soit. Mais c'est important aussi d'avoir ce suivi personnel. Évidemment, il peut y avoir des tranches de suivi par-ci, par-là. Ce n'est pas obligé que ça soit en continu, mais pouvoir reconnaître quand personnellement ça ne va pas pour être suivi. Puisqu'en fait, le psychologue, c'est un psychisme sain, donc on pourrait dire un mental sain, autant que faire se peut, qui se prête à quelqu'un pour être le miroir de ce qui lui arrive. Mais si votre tête est embrouillée d'un problème, qui allez-vous aider? Ce n'est pas le patient que vous allez aider. Donc, c'est important pour tout professionnel d'être suivi soi-même. Merci de préciser, c'est important. C'est vrai que bon, c'est des suppositions qu'on fait, mais c'est important de le signaler aussi. C'est vrai que c'est un métier, mais vous êtes aussi des êtres humains, vous avez aussi vos émotions, et il est bon de s'assurer que le travail qui est fait est toujours en ligne avec ce qui est censé être fait. Ça m'amène à te poser une autre question, justement, dans ce sens-là. C'est vrai que c'est très compliqué de tirer la limite, mais comme vous êtes dans une position pour d'écoute, de soins, d'aider votre patient, mais comment on fait pour tracer la limite entre le soin apporté et carrément la manipulation? Je fais exprès d'utiliser manipulation, mais à quel moment on dit, parce que vous avez quand même un pouvoir d'influence, vous êtes censé influencer vos patients pour qu'ils aillent mieux, pour eux, mais à quel moment, éthiquement parlant, parce qu'il y a un code éthique aussi, je suppose, comment on arrive à définir, à trancher la limite entre ce que je fais, c'est pour le bien, mais là, finalement, là, je commence à dériver et je commence plutôt à manipuler mon patient. Comment on fait pour, sans trahir aucun secret, évidemment, mais comment on fait pour tracer la limite entre l'aide et la manipulation? Bien sûr, alors tu me permettras de renommer la manipulation, mais je dirais faire à la place de. D'accord. C'est un peu plus long, mais oui. C'est un peu plus, ça me permettra de te répondre plus facilement. Un patient, déjà, avant de le recevoir, il faut que chaque professionnel se référence à son code de déontologie et d'éthique. Les professionnels tels que les psychologues ont leur propre code de déontologie. Et dans les articles de ce code de déontologie, il y a la précision que le professionnel, le psychologue, on le sait, ayant un statut qui lui confère un certain pouvoir. Donc, il faut faire attention à ne pas user de manière malveillante de ce pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le psychologue agisse dans l'intérêt et uniquement dans l'intérêt du patient. Si ce n'est plus dans l'intérêt du patient, il est important d'orienter le patient. Ou si vous sentez qu'un professionnel agit pas dans votre intérêt, vous pouvez lui en parler d'abord, parce que c'est un professionnel, il doit être capable d'entendre ce genre de choses. Et s'il n'est pas capable d'entendre ce genre de choses, il y a 16 000 psychologues diplômés par an. Faites votre choix, changez, et ça, vous en vivrez beaucoup mieux votre thérapie. Donc, si vous sentez qu'un professionnel n'est pas bienveillant envers vous, c'est important de changer. Mais essayez quand même d'en parler avec lui avant, parce que ça peut être la projection de quelque chose, d'un élément de votre histoire que vous projetez sur le professionnel. Et ça serait intéressant de travailler ça si en fait ça vient de vous, si c'est un mouvement de transfert justement, dont on parlait un petit peu plus tôt. Mais si vraiment vous voyez que le psychologue il est réfractaire, il ne veut pas en parler, bon, changez. Hein, voilà. Il y en a beaucoup de psychologues. D'accord. Et c'est vraiment important de pouvoir parler de tout avec un professionnel. Donc, dans l'idéal, parlez-en au professionnel avant tout. Mais donc, pour revenir au code de déontologie, les professionnels, ils ont ce code qu'ils doivent respecter à la lettre. Et un professionnel tel que les psychologues, ils sont là pour vous accompagner. Un professionnel tel qu'un psychologue ne peut pas vous conseiller. Et d'ailleurs, j'ai eu tellement de fois cette précision à l'école que je ne sais même pas combien de fois, on m'a dit ça tout le temps, qu'on n'est pas là pour conseiller les gens, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Par contre, on est là pour les accompagner, c'est-à-dire accompagner la prise de décision. Par exemple, prendre une situation et regarder chaque élément, détail par détail, et
amener la personne à juger, à jauger elle-même la situation. Il y a des outils pour ça, d'ailleurs. Vous mettez tout ce que vous pensez d'une situation, vous scorez, et ensuite, une fois que vous scorez, vous trouvez bah, comment amener la personne à poser une décision, poser les choses par rapport à ce que la personne veut faire. Donc, l'idée, véritablement, c'est d'accompagner. La manipulation ou le conseil ou toutes ces choses-là, c'est faire à la place du patient. Et il ne s'agit pas de faire à la place du patient. Un patient vient pour avoir à un moment une sorte de béquille. La thérapie vient comme une béquille pour que la personne puisse s'appuyer dessus et avancer. Mais on ne se substitue pas à la personne. On ne peut pas se substituer à la prise de décision de la personne. Les substituts à la prise de décision, c'est ce qu'on appelle des tuteurs pour des personnes qui ne sont plus en capacité de décider par eux-mêmes. Mais le psychologue, il n'a pas cette fonction-là. C'est la famille qui fait ça ou les amis à qui vous pouvez dire « je n'arrive pas à prendre une décision, aidez-moi ». Vous pouvez dire la même chose à un psychologue, il va vous dire « je vais vous accompagner à la prise de décision ». Un psychologue ou psychothérapeute ou psychanalyste ou tout ce que vous voulez ne peut pas prendre de décision à votre place. Ce n'est pas son rôle. Merci en tout cas d'apporter cette précision. Une dernière question avant de faire entrer notre premier panéliste. Comment, si tu avais un conseil, parce que c'est vrai qu'on vit dans des sociétés où on a souvent tendance un petit peu à marginaliser les gens qui ont des problèmes. Quand j'ai un malaise, admettons, voilà, Shango, ça ne va pas bien en ce moment, ça ne va pas. Et comment je peux faire le pas, venir voir un professionnel, parce qu'on n'ose pas dire que ça ne va pas, on est gêné, on n'a pas envie d'en parler auprès de soi. S'il fallait donner un ou deux conseils rapidement, ce serait quoi pour dire aux gens, si... N'ayez pas peur de venir me voir. Comment on fait pour essayer de vaincre cette espèce du regard et de la peur du regard de l'autre, en fait? Comment on fait pour essayer? Quels seraient 2-3 conseils à donner à ceux qui nous écoutent? Alors, donc, des conseils pour franchir le pas d'aller voir un psychologue. Ben, la première des choses à savoir, c'est qu'on ne va pas voir un psychologue uniquement quand on ne va pas bien. On peut aller voir un psychologue quand on va bien. Même, j'aurais apprécié avoir plus de gens qui viennent me voir quand ils vont bien, parce que les gens attendent d'arriver au bout du fil de la santé, de la bonne santé mentale. Les gens viennent souvent ben, quand ils sont presque dans le pathologique. Parce que justement, il y a cette idée pour certaines personnes que la santé mentale est acquise dans la communauté noire. On est tous en bonne santé mentale. Alors qu'en fait, non! C'est profondément humain, ça n'appartient pas à une communauté ou à une autre que d'avoir des pathologies mentales ou d'avoir un besoin de soutien psychologique, parce qu'il n'y a pas que la pathologie, il y a simplement le fait d'avoir besoin d'être soutenu. On peut, à n'importe quel moment de notre vie, avoir besoin de soutien psychologique, parce qu'à un moment, eh bien, il y a une tristesse qui s'installe et puis on ne sait pas pourquoi, la tristesse elle est là comme ça, on ne comprend pas. Ou à un moment, on est très fatigué, on dort beaucoup, et puis quand on dort, on n'a pas envie de sortir du lit, la motivation n'est plus là, ou parce qu'en fait, avant, on avait certaines activités, et puis on les délaisse au fur et à mesure, on a du mal à tenir nos relations, on a du mal à nourrir les relations, ou alors on se sent soudainement très en colère, et on a du mal à être en société parce que cette colère est beaucoup trop présente. Ou alors vous avez l'impression de subir des pressions dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Plein de choses que je pourrais citer. Ou vous êtes curieux, ça peut être aussi par curiosité. Ben tiens, comment je vais réellement? Qu'est-ce que je peux découvrir sur moi-même en allant voir un professionnel? Et la deuxième des choses, c'est que si quelque chose fuite de la thérapie, eh ben en fait, c'est vous. Parce que le professionnel, il est sous le secret professionnel. C'est quelque chose qui ne peut être rompu pour aucune raison valable, sauf 2 cas. Le premier, c'est un cas de justice. Il peut arriver, vous avez fait des choses, et en fait, monsieur le juge dit à votre psychologue, « Bon, moi, j'ai besoin des comptes rendus de thérapie. Ce que la personne a fait justifie tout. » Et encore,
le professionnel vous appelle, en parle avec vous et peut donner une version qui, voilà, pas tout à fait complète. On va dire ça comme ça. Je n'ai pas le droit de dire ça, mais c'est pas grave. En tout cas, le professionnel est toujours de votre côté. Et deuxième cas, c'est une maladie. Imaginons qu'à un moment, eh bien, vous allez en institut psychiatrique et que le psychiatre a voulu lui donner l'autorisation d'avoir accès à ce qui se passe en thérapie. Donc, il va discuter avec le professionnel que vous voyez avant. Ou alors, imaginons que vous tombez dans la rue et je suis la dernière personne que vous avez appelée. Je ne vais pas dire « non, je ne connais pas cette personne », mais non, je vais dire son prénom, son nom. Bon, je ne sais pas votre groupe sanguin la plupart du temps. Donc, je pourrais juste dire le nom, prénom et peut-être personne à contacter en cas d'urgence. Et encore, la plupart du temps, je n'ai pas ça. Mais voilà, c'est vraiment des cas extrêmes. Autrement, le secret professionnel, ça ne se rompt pas pour aucune raison, rien du tout. Alors, je propose, on continue notre conversation, on va faire entrer notre premier panéliste juste après ça. On a tellement de questions, mais on ne veut pas abuser non plus des bonnes choses. On ne va pas abuser notre invité, donc on va quand même faire entrer notre premier panéliste. Ça commence juste après ça. On accueille notre première panéliste, Afro Tao Healing. Bonsoir à toi. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir Afro Tao, oui, on t'entend très bien. Bonsoir Shango, bonsoir Laura, bonsoir à tous. Merci pour votre réponse. C'est vrai que, en fait, je n'ai pas pu poser toute la question parce qu'on est limité au niveau des mots. Mais en gros, c'était par rapport au fait que c'est vrai que j'ai été aussi militantiste, je sais pas comment on dit, activiste dans le passé. J'ai fait plein de manifestations où j'étais plus dans une position de revendiquer, de me battre, d'être plus dans le fight, plus que d'être, enfin, en tout cas, mes pensées étaient plus dans le me battre pour obtenir ce que je voulais. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on est dans ces pensées de manifester, de se battre, de revendiquer, en fait, on met plus l'accent sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qu'on veut, en fait. Tu vois ? Donc voilà. Donc, c'est vrai que moi, ce qui m'a aidée personnellement, ça a été vraiment la danse traditionnelle africaine, parce que ça me permettait vraiment de transformer mes émotions négatives et mes pensées négatives, parce que mine de rien, les pensées et les émotions vont conditionner nos actions. Donc voilà, on parle de santé mentale. Moi, quand j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris un billet d'avion, je suis partie en Afrique. Je suis allée au village, parler avec les vieux du village. Non, d'abord, je suis allée voir une psychologue. Mais j'ai très vite vu qu'au bout de la deuxième séance, que c'était une psychologue française blanche, qu'elle ne pouvait pas m'aider. À l'époque, il n'y avait pas trop de psychologues noirs connus. Et là où j'étais, il n'y en avait même pas, parce que c'était un petit village, enfin, dans le sud de la France, dans un village. Et du coup, j'ai dit, bon, j'ai pris un billet, je suis partie en Afrique, et c'est au village. Parce qu'au village, on peut toujours parler avec le vieux et la vieille du village. C'est eux, les psychologues en Afrique. Et moi, ma thérapie, elle a commencé par là. Et après, c'est vrai que les arts martiaux m'ont beaucoup aidé. La danse traditionnelle africaine, mine de rien, les mouvements de danse traditionnelle africaine, ben, on retrouve certains mouvements dans le Qigong. Donc, le Qigong, c'est un peu comme le Tai Chi, mais en plus actif. Tout à voilà. fait, j'en ai fait d'ailleurs. C'est super, vraiment, parce qu'on apprend vraiment à transformer nos émotions négatives, parce qu'en fait, dans le Qigong, ils disent que les émotions négatives vont aller se loger quelque part dans le corps et ça va créer des blocages. Par exemple, la peur va se loger dans les reins. Et donc, les gens qui ont des problèmes de reins, interrogez-vous,
voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui vous fait peur, les traumas. Traumas, peur et phobie, c'est ça qui cause des problèmes de reins. Donc, ça crée des blocages. Et moi, dans mon cas, c'était plutôt la colère. J'avais vraiment beaucoup de colère parce que je ne supportais plus les blagues racistes, je ne supportais plus qu'on me juge par rapport à la couleur de ma peau, et je commençais vraiment à développer un truc de presque la haine pour les gens. Ce n'est pas que les Blancs, mais ça peut aussi être d'autres communautés. Et je me suis dit, moi, je n'ai pas envie d'aller dans ce sens, quoi. Je n'ai pas envie de devenir, d'être la femme en colère tout le temps, toujours à me plaindre parce qu'on me juge à cause de la couleur de ma peau. Et donc, j'ai cherché des solutions pour, moi, me guérir, pour ne pas avoir à souffrir de ces choses-là. Donc, voilà ce que je voulais partager. Mais c'est, pour moi, je prends très au sérieux cette histoire de santé mentale parce que j'ai vraiment envie de me guérir, de guérir ma fille pour que ma descendance soit le moins atteint possible. Mmh. Et c'est super de vraiment encourager. Merci, Shango, vraiment, pour ce que tu fais. Merci pour ton témoignage, en tout cas, qui est extrêmement important. Les amis... alors là, c'est toujours pareil. Dès que, parce que j'allais annoncer bientôt la fin, parce que notre invité a des obligations. Et là, ça y est, ça se bouscule. Les amis, on va pas rester trop longtemps parce que notre invité. Merci. Reste avec nous, Afro. Hein. Afro Taoré. Oui. Voilà, en fait, je m'appelle Di. Di, tu peux m'appeler Di. Afro Taoré, c'est ma chaîne YouTube pour mes cours de Qigong, mais je vais couper court. C'est trop long, c'est vrai. Ça marche. Alors, on accueille maintenant notre deuxième panéliste, Ice Joe. Ah, Ice Joe. Et Tepa tous, vraiment, magnifique travail de Lauranina au Tepa tous. Merci. La première fois que j'arrive sur un panel et je connais tout le monde. Didi, je la connais personnellement également. Lauranina, oui, on s'est déjà vu physiquement, on discute personnellement. Et Shango, donc, panel magnifique, franchement, beau travail et tout. Bonsoir aussi à tout le chat, à tous ceux qui nous regardent. Alors, gros sujet, hein. C'est un gros sujet, le sujet de la santé mentale. Waouh, il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Et quoi de mieux qu'une professionnelle pour savoir par où commencer, où est-ce qu'on va, hein. Et vraiment, je suis content d'être là. Lauranina, franchement, tous mes respects pour le travail que tu fais depuis des merci. Années. Shango, merci. Bon, Shango avait posé une question tout à l'heure. Il avait demandé des signes qui montrent que voilà, qu'on est atteint, quoi. Donc, j'avais un peu travaillé dessus et je vais d'abord rester là. J'écoute et peut-être que mes connaissances vont se remettre en place et puis je vais intervenir. Donc, je voulais juste être là, hein, avec les vraies personnes, avec les personnes sûres. Vous dire bonsoir à tous et ben je reste là, j'interviendrai quand je saurai quelque chose ou qu'il y aura une question qui serait un peu dans mes cordes, quoi. Merci en tout cas, merci, je reste là. Merci à toi, Ezio. Alors les amis, juste avant d'accueillir le dernier panéliste, on va d'ici à peu près encore une dizaine de minutes maximum parce que notre invité a des obligations personnelles, il faut respecter ça. Déjà, je tiens à te remercier, Laura, d'avoir accepté l'invitation, de donner un peu de ton temps, mais je sais que tu as des obligations personnelles, donc on ne va pas non plus abuser. Et quand je dis ça, ils ont tous décidé de venir. Les Africains, là, il va falloir être à l'heure. Black People Time, c'est fini. OK ? Là, si on veut changer l'Afrique, il faut commencer par nous-mêmes. Et avant d'accueillir énième panéliste. Merci déjà d'être là, vous tous. N'oubliez pas, on ne va pas rester trop longtemps. Il faut respecter aussi le temps de notre invité. On va refaire une autre émission, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, c'est avec grand plaisir. On va s'arranger avec Nina, on va trouver une date, on va refaire une deuxième émission. Mais on ne va pas trop abuser de son temps. Et avant de donner la parole à Yannick, je voudrais aussi vous rappeler un livre qui est très intéressant qui s'appelle Manufacturing Consent, qui est écrit par Noam Chomsky, un classico-classique. En français, il a été traduit par La fabrication du consentement. Là aussi, comment manipuler l'esprit des gens à travers les médias, par exemple. Excellent. Donc, on parle d'excellent livre aussi, je vous le conseille. Je pense que je vais le mettre dans la barre de description d'ici un petit moment. Et juste avant ça,
Super chat. Merci Infinite Joy de supporter la chaîne, ça fait très plaisir. N'hésitez pas les amis à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On va essayer de monter à 5000 abonnés très très rapidement. Maintenant, rapidement, je donne la parole à Yannick. Yannick, sois le bienvenu. Bonjour Django, bonjour Nina, bonjour panel, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui nous entendent à travers le monde. Bon, voilà, bonjour. Un très très beau sujet. Moi, je suis quand même passionné de la psychologie parce que je m'intéresse vraiment à tout ce qui est compréhension du psychisme des gens. Et une anecdote comme ça, autour de moi, dans mon entourage, quand en général les gens ont des problèmes, ils me soucient souvent. Parce que je suis quelqu'un qui, en tout cas, qui est assez clairvoyant dans des solutions que je propose face aux problèmes que différentes personnes rencontrent et tout ça. Donc, moi, c'est la raison pour laquelle justement j'interviens dans l'émission. Et bravo déjà ce que tu fais. Et franchement, c'est comme ça que je vais dire, on va développer de plus en plus nos communautés parce qu'il y en a beaucoup de gens qui font des choses vraiment très très excellentes sur YouTube et ils méritent vraiment d'être encouragés par nous-mêmes et on doit porter justement de là où nous sommes ces initiatives là, on doit se sentir concerné et essayer de porter ces initiatives-là vers l'avant, parce que c'est important de le dire. Et voilà, Nina, écoutez beaucoup de choses, mais ici, moi, j'avais juste une question, je ne sais pas. Moi, je suis du côté de la Belgique, et justement, dans le domaine justement, de la psychologie, il y a un problème, en fait, ici, parce que ce n'est pas régi par l'ordre. Il n'y a pas un ordre des psychologues ici chez nous et tout ça. Oui. Et n'importe qui peut être psychologue, en fait. Donc, c'est pas rigide. Oui. Donc, il n'y a pas une loi qui interdise quelqu'un de floquer devant sa porte psychologue et tout ça. Non, mais tout le monde peut être, tout le monde ne peut pas être psychiatre parce que justement, ça, ce sont les médecins. Mais en général, les psychologues, en tout cas, ceux qui sont diplômés de l'université, et ceux qui font des formations par-ci, par-là, ils peuvent, je vais dire, s'installer en tant que psychologue, quoi. Un problème de réglementation en Belgique. Voilà, c'est vraiment la réglementation. Je ne sais pas dans quel pays toi tu es. Je suis en France. Voilà. Est-ce qu'en France, c'est pareil ou bien... Ah non, pas du tout. En France, c'est extrêmement grave. Je connais une personne qui était très connue sur les réseaux sociaux et on a découvert qu'elle utilisait frauduleusement le titre de psychologue. Elle a écopé de 15 000 euros d'amende et de la saisie de tous ses comptes. Donc, ça ne se fait pas. Ça se fait pas du tout ici. C'est extrêmement réglementé. Et on ne peut pas du tout utiliser du titre de psychologue. D'ailleurs, quand j'ai passé mes 5 années d'études, j'ai obtenu mon master en psychologie. Mais je n'avais pas encore le titre. J'ai dû passer un oral avec un jury. Et de là, j'ai obtenu mon titre de psychologue. C'est-à-dire que c'est vraiment très réglementé. Et je pense qu'en Belgique, le plus simple, ça serait de demander à la personne où est-ce qu'elle a obtenu ses diplômes et si elle les a. Hein. Parce qu'autant ici, quelqu'un qui est psychologue, on peut lui demander le numéro qu'elle a obtenu par l'Agence régionale pour la santé, qui est l'instance qui s'occupe de ça. En Belgique, j'avoue, je ne connaissais pas du tout ce cas. Merci beaucoup, je ne savais pas. C'est plutôt choquant justement, parce que à l'université, j'avais un cours, on avait un cours, parce que j'ai fait des études en gestion, en marketing et gestion. Et on avait justement un cours, on avait justement un professeur de psychologie qui nous parlait de ça. Et j'avais été stupéfait, quoi. Je me disais, tiens, elle dit, nous sommes professeurs ici, mais en termes de praticiens, il faut attention quand vous allez voir un psychologue ou pas, parce que, s'il n'y a pas de réglementation bien, bien définie, donc il faut faire attention
aux personnes que vous allez voir des charlatans, des gens qui vont plutôt, au lieu de vous aider, vous noyer, ou bien qui vont plutôt vous manipuler dans le sens de vous escroquer, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est aussi ça que je me disais, mais tiens, une matière aussi sensible que celle-là, c'est bizarre qu'on la laisse comme ça, quoi. Et C'est quand après, il y même. a d'autres professions, hein, comme celle-là. Par exemple, en France, il me semble que c'est le titre de psychopraticien qui n'est pas protégé. Il y a aussi, alors c'est psychopraticien, je ne me rappelle plus, mais vraiment les titres qui sont protégés avec psy dedans, c'est psychanalyste, psychologue, psychiatre et psychothérapeute. Les autres psy, non. Il y avait autre chose, psy, Donc, il est je ne me rappelle important, si je plus, mais comprends des fois, bien, il y de avait. se renseigner s'il y a une législation, de ne pas hésiter à demander les diplômes aux praticiens pour éviter toute. Exactement. Il y a cette importance, vraiment, en tout cas, plus que ce que du côté de la Belgique. Et Et aussi, d'ailleurs. avant d'aller se renseigner chez un psychologue, c'est peut-être de voir un peu, de se renseigner a priori sur son profil d'abord. Avec son nom, vous pouvez aller voir son LinkedIn, c'est LinkedIn, essayer Absolument. de voir des études que la personne a fait et tout ça, parce que Et je te remercie. c'est important de savoir où on va, parce que ça sert à rien d'aller et de Alors, rentrer on va devoir conclure malheureusement parce que notre invité, je l'ai dit tout à l'heure, a des obligations. encore. Désolée, c'est Donc, mon mon fils. cher Helmut, on va te Allez, on ouvre la laisser porte. poser une question, mais très courte, et faire ta conclusion en même temps. One shot. Helmut, c'est à Ah toi. oui, il faut qu'elle Mais aille. si je peux me permettre, parce que Vas-y. là, du coup, c'est moi, désolée, je m'excuserai moi-même auprès de la nounou, parce qu'en fait, je te remercie beaucoup pour ta remarque. Je ne savais pas que c'était aussi le cas en Belgique, parce que justement, Maïna, le concept que j'essaie de développer, c'est pour pouvoir repérer les professionnels afrodescendants qui sont des professionnels, en fait, tout court. Et qui sont excellents dans leur domaine. Et donc, je tends au fur et à mesure à solutionner ça. C'est vrai que moi, je pensais réglementer pour le continent, notamment parce que je sais qu'il y a des dérives hein, qui ne vont pas du tout sur le continent. Je ne savais pas qu'en Europe aussi, il y avait ce cas-là avec la Belgique. Donc, je viendrai à nouveau avec joie sur l'African Chronicle. Quand Maïna sera terminée. Mais d'ailleurs, si vous connaissez un professionnel des RGPD en droit de la santé, ça m'aiderait à finir. Si je peux faire une demande ce soir, si vous connaissez un professionnel en RGPD et droit de la santé, ça, voilà. En un mois, je vous sors Maïna avec des professionnels experts. Et si entre-temps, vous avez besoin de professionnels, même en Belgique, j'en connais des professionnels qui soient réellement des professionnels diplômés. Je peux vous orienter en attendant. Merci pour Parfait. cette précision, le message est Merci. lancé. Helmut, c'est à toi. Ta question, conclusion en même temps, très très court s'il te plaît, parce que notre invité doit nous quitter. Non, non, enfin, moi, je n'ai pas spécialement de questions, mais c'est juste pour vous remercier de venir me voir pour cet échange qui a vraiment été très enrichissant. Et enfin, je sais à quel point la santé mentale est importante parce que c'est quelque chose voilà, sur lequel je travaille et je continue toujours de travailler dessus. Et c'est vraiment important de s'en occuper autant que la santé physique, puisque généralement le physique, on le voit et on fait tout pour l'améliorer, mais le mental, généralement, vu que c'est immatériel, notre esprit a du mal à le concevoir. Donc, vraiment, merci pour ce live, c'était très enrichissant. Avec Merci, joie, mon Helmut. cher Helmut. Tu reviens quand tu veux, la prochaine fois un peu plus tôt, hein, pour éviter. Tu auras le temps de poser toutes les questions que tu veux. On va laisser le mot de la fin aussi à Frotao. Un mot de la fin ensuite à SDU, ensuite à notre invité. On ne t'entend pas. Ah oui, on n'entend pas. Ah, ton micro est coupé. Oui, alors merci pour Laura, merci à Shango pour ce qu'il fait. Et j'aimerais dire que la santé mentale, c'est pas quand on a mal à la tête, non, c'est ça se manifeste dans le corps. Ça peut être une douleur, ça peut être une émotion qui est récurrente. Donc on a tous une santé mentale. Et après,
Il y en a qui le sont plus que d'autres, mais voilà, il ne faut pas hésiter à s'observer, à voir vraiment à voir, ce qui ne va pas pour essayer de se guérir. Merci beaucoup à vous. Merci Afrotao pour ta présence et évidemment, tu le sais, tu y fais partie de la famille. Tu reviens nous voir quand tu veux. Asio, le mot de la fin. Oui, je vais dire, ouais, j'arrive à la fin, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres, j'espère. Je vais dire, moi, je vais dire merci à Laura Nina. Bon, sous son contrôle, je sais que la santé mentale est beaucoup liée aux émotions, nos expériences, nos traumas et nos traumatismes qui arrivent après et qui nous poursuivent toute notre vie. On a tous des zones d'ombre, quel que soit ce que nous sommes, qui nous sommes, ou le degré de succès relatif qu'on puisse avoir dans la société. On a tous des limites, on a tous des peurs, on a tous des insécurités et des traumas. C'est à nous de les chercher. En général, ce sont les choses qui nous font le plus peur, en fait. En général, ce sont les choses qui nous font le plus peur. Ça peut être le contact avec la famille, ça peut être pour X raisons, hein. Ça peut être se lancer, être indépendant, se lancer dans une relation, peut-être avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a autant de choses qui nous font peur. Et en général, nous découvrons nos traumas avec nos peurs, en fait, grâce aux choses que nous, on n'arrive pas à faire pour des raisons qu'on ignore, en fait, des choses qu'on n'arrive pas à faire, des choses dans lesquelles on n'est pas à l'aise, ou alors des manières de des perceptions de nous-mêmes avec lesquelles nous ne sommes pas à l'aise, dont les traumatismes se trouvent un peu partout. Et tout le monde, on a quasiment tout le monde sur cette terre. Bon, après, on en a plus ou moins, hein. Il y en a qui en ont trop, et là, ça devient vraiment du cadre clinique, de la santé mentale est en danger. Après, il y en a qui arrivent quand même à en avoir beaucoup moins, et au fur et à mesure, mais il faut toujours se challenger, il faut toujours repousser ses limites, il faut embrasser ses peurs, et essayer de faire les choses et de voir qu'après, ben finalement, ce n'était pas si tuant que ça. Finalement, ce n'était pas un truc qui allait nous tuer, quoi. Et ce qui ne te tue pas, comme on dit, te rend plus fort. Donc, repoussons nos limites, osons, prenons des risques, et après, on est tous récompensés, quoi. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Et merci à tous pour vos interventions. Et surtout, merci à Laura Nina d'être venue. Et à Maître Sango, merci, qui nous apporte les vraies choses, qui nous mène vers les vraies connaissances. Et comme il dit toujours, la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle est partagée. Et moi, je suis vraiment, j'ai retenu cet adage de Sango là, et elle me suit partout. Donc, merci à vous, merci beaucoup. Merci, mon cher Avio, tu es le bienvenu, tu reviens nous voir quand tu veux. Le dernier mot de la fin, très court, pour notre cher Yannick, avant de laisser le dernier mot à notre invité. Vas-y, Yannick. Oui, merci Sango, merci Laura, merci à tout le panel pour ce magnifique passage. Et je terminerai peut-être en donnant ici par exemple une astuce au niveau de l'intelligence émotionnelle, en disant par exemple aux gens de savoir essayer de maîtriser les émotions, des astuces. Par exemple, face à son conjoint à la maison ou face à un collègue au travail qui vous dit, par exemple, quelque chose qui vous choque, qui heurte vos émotions, ne pas répondre surtout sur le coup de l'émotion. Essayez de trouver une astuce pour pouvoir essayer de digérer. Quand vous sentez l'adrénaline monter, essayez de vous calmer. Donc, ne pas répondre immédiatement à la personne, surtout quand, je veux dire, par exemple, c'est votre patron, vous pouvez invoquer votre conjoint ou bien votre... Parce que un échange d'adrénaline ne fait que susciter de la colère, et vous pouvez entrer dans des travers, voilà, qui ne sont pas vraiment désirables. Et voilà. Et ici, donc, quand vous êtes calmé, surtout, n'est pas temps définitivement revenir vers la personne quand vous êtes beaucoup plus calme et lui faire part de l'attitude qu'elle a eue, ou bien de lui faire part de ce qu'elle a posé comme comportement qui ne vous a pas plu, dans le calme et dans la douceur. Et franchement, ça marche. Et voilà, une astuce, je vais dire, pour les gens qui sont colériques, les gens qui sont, voilà, qui sont impulsifs. Donc, essayez de trouver des astuces pour ne pas répondre de manière spontanée aux gens. Quand, par exemple, quelqu'un vous aide, quand quelqu'un vous pousse à bout,
essayer de, voilà, de canaliser l'émotion et ensuite répondre. Il faut toujours, toujours répondre à la personne après. Parce que sinon, sinon ça entre en vous et puis, voilà, ça crée des frustrations et l'oreille est beaucoup plus, est beaucoup plus, En tout cas, merci beaucoup Yannick. plus, en tout cas, vous expliquez ça. Donc, voilà ce que je pouvais partager comme mot de la fin concernant un peu la psychologie. Bon, voilà. Merci Yannick, Merci, je vois Django. Merci pour ce que tu fais. Vraiment, merci, merci, merci pour tous tes livres. Parce que tu m'as, j'étais pas un bon lecteur, mais finalement, en suivant ta chaîne, chaque jour, il y a des livres que je monte dans ma bibliothèque. Tu ne sais pas vraiment l'influence que tu as sur nous autres. Franchement, merci, 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 merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci Yannick, c'est un plaisir. Écoute, si j'ai pu motiver à la reprise de la connaissance et de la lecture pour s'épanouir intellectuellement, écoute, j'en suis vraiment content. J'aurais fait mon travail. Merci à toi. Et merci pour les conseils que tu donnes. Je vois que Laura, tu vois, tu es un digne successeur là. Hein. Donc tu peux en prendre peut-être Yannick sous ton aile et le former un peu plus tôt. Avec joie. La génération suivante est déjà lancée. Merci à vous tous, les amis. On va laisser le dernier mot de la fin à notre cher invité. Si tu avais un message là pour aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas le dernier, tu vas en venir nous voir avec grand plaisir, mais pour aujourd'hui, quel serait le mot de la fin que tu aurais à nous partager, ma chère Laura? Bien, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, et ce qui me tient à cœur, c'est en fait l'amour de soi, l'amour de notre communauté. Et tout simplement le fait d'arriver à se parler avec respect en toutes circonstances. Ces choses, je pense, peuvent être des clés au quotidien pour chacun d'entre nous. Commencez à introduire un peu plus d'amour dans notre vie. À partir du moment où vous sentez une émotion désagréable, un sentiment désagréable, c'est peut-être que ben, vous ne faites pas assez preuve d'amour dans votre tête ou dans votre bouche. Et donc, trouvez ce qui vous sollicite comme ça. Et au fur et à mesure, ben, débloquez les choses qui vous rendent en colère ou qui vous rendent triste parce que justement, ben, vous arrivez à repérer. Ah ben tiens, je me sens mal, c'est qu'il y a quelque chose, une chose à laquelle je dois, sous laquelle je dois prêter attention en fait. Prendre vos émotions comme un GPS de la vie et dès que vous vous sentez mal, ben tiens, qu'est-ce qui s'est passé avant cette émotion? Parce que l'émotion n'est pas première. Elle est secondaire. L'émotion, c'est vraiment la réaction. Et donc, c'est la pensée bien avant que vous devez retrouver. Qu'est-ce qu'il y a eu dans cette pensée et à quoi cette pensée est associée? En général, la pensée, elle est associée à une situation. Donc, qu'est-ce que vous avez compris ou qu'est-ce que vous savez de cette situation qui peut créer cette émotion-là? Donc, remontez autant que faire se peut le fil qui a amené à cette émotion négative pour qu'en fait, vous puissiez réellement, de manière honnête et de manière sincère, ressentir de l'amour en toutes circonstances, de l'amour pour votre communauté, même ressentir de l'amour pour les personnes qui ne construisent pas notre communauté, parce que vous comprenez qu'en fait, ces personnes, soit eh bien, ne vivent pas dans le paradigme qui est le leur, ou n'ont pas conscience des choses. Donc, apprenez à faire preuve de bienveillance et d'indulgence envers toutes ces personnes-là, et apprenez d'abord à faire d'indulgence et de bienveillance envers vous-même. Quand vous parlez, que ça soit des autres ou de vous, quand vous avez la possibilité de vous y identifier, ça participe à ce que vous manquiez de confiance ou d'estime pour vous-même. Donc, que votre parole soit toujours juste, autant que faire se peut, pour que ça participe à votre santé, à celle des autres. Et comme on disait un petit peu plus tôt, c'est un cadeau en fait, d'abord pour soi, que d'avoir la possibilité de voir le monde avec des yeux plutôt joyeux, avec une envie de vivre, avec l'envie d'être là. En sachant qu'un petit peu plus tôt, j'ai pas eu l'occasion de répondre à Frotao qui parlait de résistance sociale. Quand les personnes à l'extérieur de nous nous sont menaçantes, d'ailleurs, il y a plein d'études sur les discriminations qui ont amené à une échelle dite de résistance sociale, parce que justement, quand on a cette difficulté à voir le monde comme bon pour soi quand on voit que des menaces à l'extérieur de soi, là on est déjà en train de rentrer dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la bonne santé mentale. Donc apprenez à regarder le monde avec un œil plus joyeux, même si évidemment il y a des réalités, il y a des faits, mais
ces faits correspondent à quel pourcentage de la réalité? C'est-à-dire que les médias ont cette capacité à grossir les choses et à nous effrayer. Donc, apprenez à regarder aussi les choses qui vous font du bien, comme les initiatives telles qu'African Chronicle. Apprenez à vous raccrocher aux informations qui vous font du bien pour avoir le moins de résistance sociale, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le mal, en fait, dans le monde. Il y a énormément de bonnes choses. Faites vos propres médias et apportez des bonnes nouvelles comme African Chronicle. C'est vraiment ça, en fait, si je peux dire, la mission que vous avez, c'est de vous sentir bien et de trouver des manières de vous sentir bien. Merci, ma chère Laura, pour toutes ces indications. Ce fut un réel plaisir de t'avoir parmi nous. Merci aux panélistes intervenus. Merci aux gens du chat d'avoir partagé. Et avant de vous quitter, pour prolonger le débat, je rappelle les livres qui m'ont aidé à préparer cette émission. Manufacturing Consent, la fabrication du consentement, de Noam Chomsky. Je vous le conseille vraiment, il est très, très intéressant. Vous allez voir les médias complètement différemment et l'impact pas toujours positif qu'ils ont sur nous. Évidemment, je vous invite à voir ou à revoir ou à relire du moins le France Fanon. Peau noire, masque blanc de France Fanon. Vraiment, on est vraiment au cœur là-dedans. Lisez ou relisez-le pour vous rafraîchir la mémoire. Un excellent ouvrage, je vous le conseille. De toute façon, j'ai mis tous les liens dans la barre de description, mais je vais les remettre aussi dans les commentaires juste après l'émission. Et puis, pour continuer le débat, je vous invite à lire ou à relire « Black Like Me » de John Howard Griffin, un excellent livre. Je rappelle, John Howard Griffin était un journaliste dans les années 50, blanc, qui se fait passer pour un noir, et il raconte son expérience en tant que noir. Très, très intéressant. Le livre traduit en français, c'est « Dans la peau d'un noir ». Je vous ai mis aussi les liens. Et puis, je pense que ce livre est devenu maintenant un incontournable de la part du docteur Francis Cress Welsing, « Les dossiers d'Isis ». The Easiest Paper en anglais, mais les dossiers d'Isis, il est traduit aussi en français maintenant. Très, très bon livre. Je vous le conseille. Très, très. Ah, voilà, vous voyez, on se reconnaît. Très, très bon livre, les amis. N'hésitez pas à vous le procurer, vous allez voir, c'est très intéressant. On a abordé aussi le côté des enfants, parce que malheureusement, le combat que nous menons touche aussi nos enfants. Donc, je vous conseille aussi Children, Race and Power. Très, très. Très, très bon livre. Je n'ai pas mis les liens, mais je vais le mettre tout à l'heure dans la barre de description. Un excellent livre qui reprend l'expérience de la poupée. Les amis, ce fut un réel plaisir de vous avoir ici, tous autant que vous êtes. On va laisser notre invité nous quitter. Ce fut un réel plaisir, les amis, de vous avoir. Un dernier commentaire de la part du public en général, c'est ceci. Un dernier commentaire, restez là. Laura a été publicité. Merci les amis, merci d'être resté avec nous aussi longtemps. Merci à toi Laura de ta patience. Elle est venue nous quitter parce qu'elle est pressée. On veut plus partir, on veut la garder. Rassurez-vous les gourmands, elle va revenir. Les amis, ce fut un plaisir de vous avoir parmi nous. Vous le savez, je le dis jamais assez. Nous pratiquons le boulot intellectuel et le savoir n'est utile que lorsqu'il est partagé. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao. Merci. Salut. Au tep. Thank you.